それでは皆さんの質問を受ける前に短いご挨拶をしてください。記念して事業の一つとして私の一番新しい映画を作っていただいて、なおかつ皆さんとお話ししていきたい本当にそういうことで、ちょっと和也さんにお礼を言いたいと思います。で50周年を迎えてるんですね。それからタイのシネマテイスト、そういうふうに同じ年に、つまり1936年ですけども、そういった3つの団体がこの作られたということは、おそらく、映画がこの子供の時代から育ってきて、ちょうど大人になりかけた頃に、やはり世界中をこの戦争の影が覆い始めた、戦争前夜になったということと関係があるのではないかと今日思っております。Je suis moi-même présidente de l'association des réalisateurs japonais, dont nous fêtons cette année le cinquantenaire, le 50e anniversaire de la naissance de l'association des réalisateurs japonais. Il se trouve aussi que c'est le cinquantenaire de l'association des réalisateurs américains. Et je trouve que c'est une heureuse coïncidence, mais je crois que c'est une coïncidence qui est pleine de sens, que ces trois organismes, c'est-à-dire l'association des réalisateurs japonais, l'association des réalisateurs américains et la Cinémathèque, aient été créés la même année, c'était donc il y a 50 ans, c'était en 1936. Ça signifie peut-être que le cinéma qui avait fini sa phase d'enfance entrait dans l'âge adulte. Cela coïncidait d'ailleurs avec les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une autre coïncidence aussi. Et je crois que c'est une date qui a beaucoup de signification. された存在でありましたし、つまり私はそういった閉ざされた日本の中で、青年時代を過ごしたわけですけど、そういった中でやはり私はその外国の映画を見ることが、やはり、世界に向かっているたった一つの窓でありました。Pour nous, nous avons grandi, les cinéastes, nous avons grandi à cette époque de l'après-guerre, ou de pendant la guerre, ou de la période de l'immédiate après-guerre. Pour nous, surtout au Japon, nous avons vécu dans un monde qui était très fermé, cette période de la guerre. Je crois que le cinéma était la seule fenêtre ouverte sur le monde, et c'était quelque chose de très important pour nous. Donc, quand j'ai commencé à faire des films, je ne pensais pas que mes films pourraient être projetés en Europe. Mais la vie m'a amené à France. En 1968, j'ai commencé à faire des films en Europe. Et à cette époque, moi, je voyais des films de l'étranger. Fenêtre ouverte sur le monde pour moi. Je ne pouvais absolument pas imaginer, c'était un rêve absolument impossible que d'imaginer qu'un jour je ferais des films qui montreraient mon pays et que le film serait montré également en Europe. Et je crois que le destin a voulu que finalement un jour on m'a amené en France. Mais ce qui m'a amené en France, c'était mon film, La Pendaison, qu'on a montré en 1986. でもなく、コンピューターでもなく、もう一つあったですね。あそこで私の映画をやってもらって、やはりこういうふうにいろんな方とお話ができたのが、私がフランスのパブリックとお会いした最初であります。Et en fait, ma première rencontre avec le public français a eu lieu l'année suivante, en 1969, quand mon film a été, il avait été montré en 68, mais il a été distribué en 69. Et en 69, on l'a montré pour la première fois à la Cinémathèque, qui n'était pas ni à Saillot ni à Pompidou à l'époque, c'était Régine. Et c'était là, à cette occasion, que j'ai eu ma première rencontre avec le public français. Je crois que c'était quelque chose comme aujourd'hui. J'étais là pour répondre à cette question. Mais bon, bien sûr, à ce moment-là, je n'ai jamais pensé à faire un film en France. Je n'ai jamais pensé à faire un film en France. Je n'ai jamais pensé à faire un film en France. Mais bon, il y a différentes choses qui ont été faites. Je n'ai jamais pensé à faire un film en France. Et à cette époque-là, c'était encore beaucoup... Ça fait inimaginable pour moi de penser qu'un jour,
Déjà, quand on me montre mes films en France, c'était déjà quelque chose que je ne pouvais pas imaginer quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à tourner. Mais je ne pensais pas que ce serait devenu possible pour moi de tourner un film en France. Et je voyais maintenant ce rêve est devenu réalité, ce rêve qui était même pas imaginé est devenu réalité. Et à la suite d'un certain nombre de hasards, le hasard a bien fait le tour, je suis aujourd'hui à vous montrer un film que j'ai réalisé en France. Ma famille, 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 いつもこのパリのシネマテイクとそれからそのシネマテイクを愛する皆さん方が私に大変大きな力であった、そのおかげで私がバトンに至ったということを最後に申し上げて心からお礼を申したい。Et en fait, le fait que toutes les possibilités se soient élargies, le champ des possibilités se soit ainsi élargi à travers ces différentes étapes, à chacune de ces étapes, j'ai rencontré la cinémathèque, les gens de la cinémathèque qui m'ont accueilli, qui m'ont été la source d'une force nouvelle pour moi, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là aujourd'hui à nouveau avec les gens de la cinémathèque, et je les remercie beaucoup pour toute cette force nouvelle que vous avez produite. まあそういうふうにあの感謝しているとはいえ、あのこういう公開の時で質問を受けるということは あまり楽しいことではなくて多少困難なことでありますけど、今日はあの幸いテッソンさんもいますし、それから最近僕についての本を書かれたダムゼルさんとタカノさんもいますので、難しい質問があったらその人たちに代わってもらいますから、どうぞ何でも質問してください。あらこっちに une occasion heureuse, mais en même temps c'est très embêtant comme ça de parler comme ça en public et de répondre à une tas de questions. Je ne sais pas quelles questions vous allez me poser, mais aujourd'hui je suis rassurée parce que de toute façon si les questions sont trop difficiles, il y a à côté de moi Charles Tesson qui connaît bien mon œuvre, et puis il y a aussi les deux auteurs d'un livre qui vient de paraître sur moi et qui sont là, et si les questions sont trop difficiles, je leur demanderai de répondre à ma place. Alors ne vous inquiétez pas, je crois qu'on peut répondre à Lucas. Je ne sais rien de mes futurs projets. Et dans cette phrase, j'ai le sentiment que c'est un peu la constante de Fukushima par rapport à son œuvre, c'est-à-dire de faire des films qui ne répondent pas à l'attente, ou du moins à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire de ne pas répéter l'Empire des Sens, de ne pas répéter deux fois le même film. Et j'aimerais précisément savoir un peu sa réaction quand M. Silberman est venu me voir, je crois, au Japon. Il m'a apporté un petit synopsis de cette page. Serge Silberman m'a proposé de faire un film ensemble. J'ai dit oui, d'accord. Et à la suite de cet accord entre nous, je lui ai fait un certain nombre de propositions. Lui-même a fait un certain nombre de propositions. Et en effet, un jour, il m'a apporté ce projet, cette idée. Mais ce n'était même pas cette page. Enfin, il y avait une ou deux pages. C'était très court. La seule idée, c'était qu'il y avait. C'était un couple dont la femme avait pour amant un chimpanzé. Et l'autre idée importante, c'était que le mari acceptait. Que l'amant soit un chimpanzé. Il l'acceptait. Donc, aussitôt, j'ai eu immédiatement l'idée, tiens, ça c'est intéressant, et on va essayer ça. でも、これは私にとってはいつものことなので、結局僕は何かこの素材を取り上げるときに、自分が大変引きつけられたと、引き
かしなぜ引きつけられるのかわからないそういう素材をいつも選んでるんですね。ですからこの場合もなぜこの素材に引きつけられるのかということは私よくわかんない、よくわかんないからこれを取り上げました。Mais ça, c'est une constante dans mon œuvre, c'est-à-dire que je choisis toujours des matériaux, enfin une matière, un sujet pour lequel je me sens attirée d'une manière inexplicable. Et là, je ne savais pas ce qui m'attirait là-dedans, mais ça a été comme pour les autres sujets de mes films. Je suis attirée, je ne sais pas pourquoi, je suis séduite, je suis entraînée dans cette histoire et je me laisse porter. C'est toujours. Ça, ma fatigue est telle que son autre-là, chimpanzee を愛人に持つということを受け入れようとする、このことはやはり非常に重要だと思ったんですね。これはその頃カリエルさんとよく冗談を言ったんですけど、またアメリカ人のことについて言うと日本の総理大臣みたいに失敗をするのでちょっと言うとまずいかと思いますけど、例えばこの夫がですね、テキサスのカウボーイかなんかだったら、つまり妻がチンパンジーの愛人を持ったと聞いた途端にこの銃を持って押しかけていってバンバンと撃ち殺してしまうんじゃないか、それではこの映画は終わってしまうんだ、やはりこの夫が受け入れるところからこのストーリーは始まるんだということを話し合っていました。 Alors, moi ce qui me semblait très important en particulier enfin il me semble encore maintenant ce qui était très important et ce qui m'a attiré c'était le fait que le mari acceptait cette situation, acceptait le fait que l'amant de sa femme soit un singe, et c'était ça qui m'a semblé très important. Bon, je ne suis pas le représentant, je ne suis pas le premier ministre du Japon, donc je peux me permettre de faire des plaisanteries qui ne seront pas aussi graves que les plaisanteries de mauvais goût qu'a fait le président des États-Unis. Mais si on faisait une plaisanterie avec Jean-Claude Carrière à propos de cette histoire en disant si par hasard le mari était un cow-boy américain borné, enfin tel qu'on le représente normalement, c'est-à-dire que lui, quand il saurait que l'amant de sa femme est un chimpanzé, la première chose qu'il prendrait, ce serait de prendre son fusil et de tuer le singe. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'histoire. Et c'est ça qui m'a semblé intéressant, c'est que justement, ce mari-là n'avait pas cette réaction, qu'il acceptait le singe, et que c'était ça qui était important. Elle a dit depuis le début qu'elle acceptait, mais en fait, elle a dit accepter, c'était pas, il n'accepte pas, il va essayer d'accepter. Il fallait dire plutôt qu'il allait essayer d'accepter le fait que ce chimpanzé soit un singe, parce qu'il n'a pas accepté aussi simplement que ça. J'ai essayé d'accepter, et c'est ça qui était intéressant, c'était ça le sujet. Justement, en enchaînant sur ça, pourquoi justement, parce que l'action se passe en France ou à Paris, le personnage est-il anglais ? D'accord, de ce point de vue, pourquoi l'action se passe à Paris, mais pourquoi l'homme est pékopijin ? この開かれた立場にいる人間というのを想定したかったので、つまりパリにいるフランス人という考えるよりはパリにいるイギリス人というふうに考えた方がなんかこのストーリーが広がるというふうに考えました。それからその後キャスティングの段階でいろいろ話をしたんですけど、やはり性格というものはなんかイギリスのやっぱり紳士にぴったりの性格ではないかと我々は思っております。 C'est-à-dire qu'il y avait deux raisons en fait. Une première, c'est queIl fallait que ce mari soit un mari qui soit assez d'esprit assez large, et il nous a semblé plutôt qu'un Français qui vivait en France, il fallait plutôt que ce soit un étranger qui vivait en France, qui déjà, non pas le fait qu'il soit français, mais comme ça devait se passer à Paris, il fallait que ce soit déjà quelqu'un d'étranger, bon, qui vive à Paris, qui avait donc l'esprit suffisamment large, et d'autre part, enfin qui avait expérience d'un autre monde, premièrement, pour que l'histoire se développe bien. La deuxième chose, c'est au niveau du choix des acteurs. On a réfléchi, on s'est demandé quelle nationalité, et à partir du moment où le personnage, le caractère du personnage se dessinait plus clairement, il nous a semblé que ça correspondait bien au profil d'un gentleman anglais, plutôt, enfin, qui pouvait accepter les choses de la manière dont on voulait qu'il les accepte, enfin, qu'il essayait de les accepter.C'est le caractère d'un gentleman. シャルロット・ランプミンが僕に言ったのは、つまりイギリスの男というのは我慢に我慢を重ねて、そして時々にこう爆発すると、そのキャラクターはやっぱりイギリス人でなければならないんではないかと、シャルロットは私に言ってるんです。C'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'en particulier Charlotte Rampling m'avait dit, de toute façon, les hommes anglais sont habitués à s'écraser, à supporter, puis tout d'un coup, ils explosent. Et des hommes qui ont ce caractère, je ne connais que c'est tout à fait typique des hommes anglais. C'est-à-dire, ils acceptent, ils supportent.Et puis, tout d'un coup, ils explosent par moments. C'est Charlotte qui m'a dit ça. Et il nous a semblé que c'était mieux un anglais pour ça.
question un peu périphérique, mais qui me semble rejoint quand même le film, c'est le lieu, le fait que ça se passe en France, enfin à Paris, mais aussi surtout le fait, comme l'indique justement le générique sous forme de gag, dessin animé, c'est une histoire de trous de serrure, de clés, et comme ça, bon, qui quand même dans le film on le voit à son importance. Alors il me semble que dans le décor japonais ou dans l'espace japonais, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé. Donc j'aimerais savoir justement, par rapport à l'idée de voyeurisme et tout ce qui structure quand même le film, si un tel scénario ou un tel schéma aurait pu être pensable dans un espace japonais. C'est exact, c'est tout à fait juste. Il y a le fait qu'il n'y a pas de serrure, mais il n'y a pas seulement ça. De toute façon, depuis le début, je n'avais pas l'intention de tourner cette histoire au Japon, parce qu'au Japon, depuis longtemps, il y a des histoires d'amour entre des êtres humains et des animaux. Ça existe, c'est tout à fait. Il y a des légendes, mais pas seulement des légendes. Il y a des chroniques presque villageoises. On le voit au théâtre aussi, on le voit au kabuki. Donc c'est quelque chose qui aurait eu beaucoup moins d'impact. Dans la pensée orientale, il y a moins de discrimination ou de différence entre les animaux et les êtres humains. Donc au Japon, ça aurait été plus facile. Le public japonais aurait accepté ça sans problème et il n'aurait pas eu l'impact que je voulais que cette histoire crée chez les spectateurs. だから日本で作った場合はそういうふうに日本の観客にとって、あのインパクトがないのと、もう一つですね、例えばそれを日本で僕が撮って、あの、パリへ持って、こう、フランスへ持ってきたとしますか。ちょっとおそらくね、観客の皆さん全部が言いませんよ。ある人たちはね、あ、これは、あの、日本人だからこういうことするんだと、東洋人だからこういうことするんだと、言って、つまりもうそういう問題として、あの、自分たちの問題として考えてくれないということもあったんですね。 Alors, donc le problème du rapport, enfin l'impact sur le public japonais d'une part, et d'autre part le fait que quand ce film, si ce film avait été tourné au Japon, on l'aurait montré en France, et à ce moment-là il aurait été perçu comme une tradition japonaise ou comme une pratique japonaise courante. On dit, ah, ce sont des Asiatiques ou ce sont les Japonais, donc c'est comme ça qu'ils font, et à ce moment-là ça aurait été l'effet complètement raté. Il ne se serait pas identifié au personnage comme je voulais qu'il le fasse, en fait, qu'il y ait une possibilité d'identification pour le public occidental. C'est la raison pour laquelle il fallait que ce film soit tourné à Paris, qui est le centre de la civilisation occidentale, ou le centre de symbole de la civilisation occidentale. Sinon, s'il y a des questions dans la salle, je peux continuer à poser des questions, mais s'il y avait des questions également dans la salle, sur le film. Oui. Il faut un micro. Ah, il y a quelqu'un là-bas qui est. Comme un révélateur d'une très grande tendresse. Et je voudrais savoir, parce que quand ce film est passé à Cannes, on a beaucoup parlé de sexualité. Je m'aperçois que dans les trois quarts du film, il n'est pas question de sexualité. On pense que c'est simplement un révélateur pour faire valoir une très grande tendresse qui existe entre le couple et l'enfant et la bonne et tout le monde, hein, enfin envers tous les protagonistes. Je voudrais savoir si vous-même, vous n'avez pas joué à ce jeu-là, c'est-à-dire que vous avez voulu faire penser à la sexualité où il n'y en a pas, simplement pour faire voir cette tendresse. まあそういう話題になったし、
評価もどうもそのようなことを書かれたわけですけどもね、本当はね、大島さんご自身はね、本当はまあ性的な物語を表に出して、本当はだんだん優しさについて映画を作りたかったのではないかと思うんですけども、どうでしょう。おっしゃる通りです。Non, vous avez tout à fait raison. Si, vous avez raison, c'est-à-dire c'était la tendresse dont il voulait parler. C'était la tendresse. だからみんなね、その出演者たちの間ね、その夫婦の間と夫婦のとその子供とそれからメイドさんとか、みんなそこの優しさ、tendresse、tendresse、世界を語ったり。ただ僕はこの映画の中で書いたつもりですけどね、やはりこの映画に出てくるカップルは、全部このもうぶち壊れてるんですね。特にまあ女の方はまだしもまたまともだけど、男はもう全然もう壊れてしまっている。そういうものとして僕は今の世の中の男と女を捉えてるんですけど、それがまあそのチンパンジーが入ってくることで彼らが少しやはり変わっていくということをやはり書きたかったのが一つですね。C'est un petit peu plus compliqué que ça peut-être. C'est-à-dire que en fait le couple, je pense que vous aviez compris que le couple était déjà brisé. En tout cas, même bon, si la femme voulait maintenir une apparence, en tout cas du côté de l'homme, pour lui, ce couple était terminé. Et à partir du moment où le chimpanzé fait son apparition dans ce couple, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de nouveau possible. Et c'était ça que je voulais montrer. Dans Max Mon Amour, comme dans Furio, vous mettez en scène des éléments qui proviennent de différentes cultures. Mais contrairement à ce qui a été dit un peu vite à l'époque de Furio, vous n'envisagez jamais ces choses en termes de confrontation, enfin, en termes de choc de culture. Je voudrais que vous développiez un peu cette idée. Furio, no toki mo ne, Max Mon Amour, no toki mo ne, yappari bunka no, ma kotonatta yoso no, utsukari ja nakute shoukai to itte, た方がいいと思いますけどね、だからやっぱり不良の時にね、衝突とかね、ショック2つの文化の間の衝突とよく言われてるけれども、衝突よりもその異なったとか違う文化お共存ですかとか、そういうことについて少しお話ししていただけますでしょうか。マクスモナムにも不良の時も、まあ不良はね、衝突2つの文化が衝突というよりも文化がこのお互いに惹かれ合う、まあ、合うとは限らない、惹かれることがあると。例えば不良の場合でしたら明らかにその日本文化がヨーロッパ文化に惹かれてるんですね。で具体的にはつまりアトラクトされてるわけですね。アトラクトされてるんですね。でだからそれとつまり坂本龍一とビートたけしがデビッド・ボーイとトム・コンティに惹かれてるということが、この話の中心になってるわけです。でまたそれが、まあ、惹かれながらもまたこの衝突があったりいろいろ。で僕は不良とマックスはやはり全然違うと思うのは、不良はあくまでこの人間対人間の争いなんですね。ところが僕は人間と人間の争いはね、いろいろあっても僕はある程度フィフティフィフティのところがあると思うんですね。ところがマックスの場合は人間と自然という問題になると、僕はやはりこれは人間と人間とまたちょっと違う問題があるんじゃないか。つまり自然といったのはつまりマックスのことです。Non, je crois que, bon, à propos de Furio, plutôt que d'un choc, en fait, il s'agissait de deux cultures qui s'attiraient l'une l'autre. En particulier, c'était flagrant pour la culture japonaise qui était attirée par ce qui était le représentant de la culture occidentale, qui était David Bowie en particulier. Et c'est le résultat de cette attirance qui créait éventuellement des chocs ou des conflits ou des conflagrations. Et bon, il y avait donc le personnage de Sakamoto Ryuichi ou le personnage de Beat Takeshi, qui représentait donc cette culture japonaise, qui était donc attirée par l'autre culture, et à la suite de cette attirance, il y avait éventuellement des chocs. Mais dans ce cas de Furio, le problème se passait entre des hommes, enfin hommes contre hommes, enfin les hommes qui représentaient des cultures différentes. Parce que dans le cas de Max, c'est différent, c'est homme contre la nature. L'homme et la nature. Et là, bien sûr, la nature, bon, c'est représenté, c'est symbolisé, c'est représenté par Max. Et je crois que dans ce cas-là, quand c'est homme contre homme, c'était 50-50, il peut y avoir des échanges, des attirances réciproques, des chocs réciproques. Là, c'est pas du tout le rapport n'est pas le même, mais c'est un problème de homme contre nature. Homme nature. だからね、僕はつまりマックスというのはある意味で人間と自然がこのお互いに惹かれ合ったという物語だと思うんですね。で、
草のトランポリンが演じたマーガレットが惹かれ、あの、うん、チンパンジーに惹かれて、だから自然が人間に惹かれるというと非常におかしく見えるかもしれないけど、やはりそういうことがあるんだと思います。で、僕はあのシャドートランプリングにキャスティングが決まった時に大変嬉しかったのは、チンパンジーの学者で、ジェーン・グドールというイギリス人がいるんですね。この人が初めて、アフリカへ入って初めてその野生のチンパンジーを餌付けすることにその成功したんだけども、そのジェーン・グドールという人の、ね、写真を見ると非常にシャドートランプリングに似てるんですね。で、僕はおそらくそのジェーン・グドールという人、あるいは、まあ、おそらくシャルロットという人もね、いわばその人間の中で要するに自然に対するこの感性がある人とない人とあると思いますね。非常にこの自然というものに近しい感じを持っている人間、ジェーン・グドールはそうであったし、シャルロットもそうであったという気がするんですね。Non, ce que je veux dire encore, enfin, à propos donc de Max, c'est cette attirance. Bon, Torfuyo, c'était homme attiré par homme, des cultures différentes, d'accord. Mais pour Max, c'était donc l'homme attiré par la nature étant Max, ou, et ce qui est plus paradoxal, ce qui semble le plus difficile, c'est la nature aussi qui était attirée par l'homme. C'est-à-dire que Max est aussi attiré par Charlotte, par le personnage de Charlotte, c'est-à-dire par Margaret. Et en fait, quand on a choisi pour le rôle de Margaret Charlotte Rampling, j'étais vraiment très heureuse parce que j'ai aussitôt, elle me faisait penser à Jane Goodall. Jane Goodall, c'est une anglaise, spécialiste, une chercheuse anglaise qui s'est spécialisée dans l'étude des chimpanzés sauvages. Et j'ai vu des photos de Jane Goodall et elle avait une figure assez, enfin une silhouette assez élancée, émaciée. Elle me faisait vraiment penser à Charlotte Rampling et j'ai pensé que Jane Goodall dégageait une espèce de refléter une pensée en presque en symbiose avec cette nature, ces singes qui l'avaient attirée, et d'une certaine manière Charlotte aussi. Je crois qu'il y a quelques êtres humains privilégiés qui ne pensent pas à la nature comme quelque chose d'étranger à eux-mêmes ou le lointain, plutôt quelque chose qui peut éventuellement faire partie d'eux-mêmes, et je crois que Jane était certainement quelqu'un comme ça et que Charlotte était capable de le comprendre, et c'est pour ça que j'étais très heureux du choix de Charlotte. Elle avait une certaine intimité avec la nature. つまり、まあ、あんまり一般的にどうも今日はかなり差別的な発言ばっかりをしてしますけども、つまり男と女を比べるとね、僕はやっぱり女性の方がどちらかといえば自然に近い感覚を持ってると思うんですね。だから女性の方がやっぱり先にそういう方へ進んでいく、それを後から、まあ、男性がやはり受け入れようと努めるというのが、まあ、この映画の自然に対する近づき方だと。Alors je suis désolée parce que finalement aujourd'hui je ne parle que de problèmes de différence ou de discrimination, mais je suis, en continuant dans cette voie, je suis obligée de dire, il me semble que dans cette perspective, les femmes sont plus proches de la nature, sont plus aptes à comprendre la nature que les hommes. Les hommes ne peuvent le faire qu'après les femmes. Enfin, c'est une fois que les femmes ont franchi le premier pas dans le rapprochement ou l'intimité avec la nature, qu'éventuellement les hommes peuvent aussi arriver à comprendre. Mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Il faut le reconnaître. Je vais poser une petite question. Et Charlotte Rampling, donc pas de David Bowie, non? Je ne sais pas leところ ありますけれども、それのだから同時にね、だから不良の時のデビッド・ボーイの描いたセリエストの続きもの。僕はこのこと、それをちょっとそれについてもう、このことは全然僕は実はね意識してなかったんです。で具体的に言いますと撮影が始まってから1週間ばかり経って、私はもうシャロットランプリングをちょっとこのセットの片隅に読んでこう言ったんですね。シャロット、これから僕は大変バカな質問をしたいけど、これをちょっと止めることができないんだと、いいかっつって、いいですどうぞっていう、あんたはそのデビッド・ボーイを好きかっつったわけね、好きよって彼女が言うわけで、でもどうしてって言うわけね。いや僕は大変あなたがデビッド・ボーイに似てると思うって僕が言ったら、彼女は私そのこと分かってますって言ったんだな。Non, en fait, cette ressemblance avec David Bowie, je n'étais pas conscient. Ce n'est qu'après une semaine après le début du tournage, j'étais frappée par quelque chose et j'ai pas pu me retenir et j'ai appelé Charlotte et je lui ai dit, je vais maintenant vous poser une question qui peut paraître stupide. Est-ce que je peux la poser? Alors elle a dit oui, allez-y. Et puis est-ce que vous aimez David Bowie? Oui, je l'aime. Mais pourquoi? Ben, parce que vous lui ressemblez. Et elle a dit, oui, je le sais, je le savais. という、まあ、不思議な話がありましたんですけど、まあ、これは簡単に言えば僕がそういう人を好きだということをという単純な理由だと思いますけどね、まあ、強いてなんか2人に共通な点を僕が
どういうことかって言われたら、まあ、僕は2人とも、まあ、その一種のエイリアンだと思うんですね。エイリアンだと思います。Donc, enfin, bon, si on ne veut pas essayer de pousser trop loin, ce que ça veut dire simplement, c'est que j'aime ce type de personne, sans doute, je suis attirée par ce type de personne, mais enfin, si on essaie d'approfondir un peu, peut-être que ces deux êtres, David Bowie et Charlotte Rampling, sont une sorte d'alien, alien, d'étranger, d'étranger, mais enfin, dans le sens alien, qui vient d'un autre monde. Ce n'est pas la même chose que le alien qu'on voit sur les écrans actuellement, ce sont l'alien dans le sens étrange, extraterrestre, non, pas E.T., des personnages dans notre monde. Est-ce que le vrai personnage central du film, ça n'est pas malgré tout le mari, ni le singe, ni la femme, mais le mari? Est-ce que le vrai sujet du film, ça n'est pas la fameuse question, qu'est-ce qui se passe dans la chambre des parents, dans la chambre des adultes? C'est la question de l'enfance, et c'est la question que doit se reposer le mari, doit refaire le même chemin d'une représentation qui est toujours monstrueuse, celle de l'acte charnel. Monstrueuse en l'occurrence parce que c'est un chimpanzé. Que più cune sono otto de monakereba, oksan de monakereba, kodomo de monakereba, otto ga ne kodomo natte kono kikuku kono heya na de nani ga jissai wa ne nani ga okutte iru ka to. Dare doko no kuni no kodomo de mo ne yappari otona no heya de ne otosan to okasan nani wo yatte iru ka to. Iu kore wa eien no ma ichiban no shitsumon desu ne kodomo ni totte. Dakara kekkyoku kono heya de nani ga okutte iru ka to. C'est la première fois que j'entends cette interprétation ou cette question, mais je trouve que c'est très intéressant cette présentation du D'ailleurs, c'est vrai, enfin, je me demandais ce que ce petit garçon du film penserait quand il serait devenu adulte à propos de cette histoire qu'il a vécue comme enfant. Je me le demandais. Donc c'est un peu la même chose, mais la question telle que vous l'avez posée, je n'avais pas pensé. で僕はシナリオを書いてる途中でね、この話を少年がね大人になってね、その時代を回想するというね、やり方にしようかなと思ったことがしばらくありました。例えばそれだったら、まあ、タイトルはね、私のママはチンパンジーを飼っていたというタイトルになるんですけどね。Non, il y a eu un moment d'ailleurs au niveau de l'écriture du scénario où j'avais hésité pendant quelques temps en me disant qu'on pourrait faire l'histoire comme les souvenirs du petit garçon. Le petit garçon devenu adulte et qui dirait, et à ce moment-là le titre du film aurait été « Ma mère a élevé un singe ». J'y avais pensé un peu pendant quelques temps, faire tout le film comme les mémoires du petit garçon devenu adulte. Je vous attends quoi au vu du générique, fameuse serrure, enfin clé qui rentre dans des trous de serrure, que Oshima n'a pas pensé au sens immédiat de qu'est-ce qui se passe dans la chambre et puis à la symbolique évidente. Il y a d'accord, il n'y a pas les crédits de Mimastone, crédits de son film Mimastone, son animation Mimasto, il n'y a pas les deux semaines, il n'y a pas les son Kagito, Kiho, Nakani, Hittiru, Ijo, il n'y a pas les sonos Kihon Tekina Sindeska, Kompon Tekina Sindeska, sonos Genshi no Sindeska, Otosan Tokasan, c'est Tekina, acte d'année. だからそれを大島さんがね考えなかったことを聞きますと信じがたいですけれども、これね現地のシーン。だからねクレディットの時にね、クレディットのことは分かるけど何が言いたいの？だから彼がねやっぱりその部屋の中に、部屋の中でねやっぱり現地のシーンというとフランス語のフロイド的な表現ですね。現地のシーンというのは、お父さんとお母さんが子供がね、どうしても知りたいですね。お父さんとお母さんこの部屋で何を別にこの映画での子供ではなくて。どこの家族の子供がやっぱりお父さんとお母さんの性的な行為をやってる時のシーンを見ますとそれは原始のシーンですね。これは結局この映画の映画のテーマだと思いますけれども、これ大島さんはねそれを考えなかったということを何を考えなかったっていう。だからねその部屋の中でね今の映画の
今のこの映画の中のね部屋の中で、結局どこの家族の子供が、いや僕はそのどこの家族の子供でもそういうことを考えるというのはについては僕は反対してないわけよ。そうそうそうそうそうそう。だからね、それを反対してないけれども、お考えにならなかったことは信じがたいとか。でも僕が考えたか考えないということは人には分かんないじゃないだって。Non, il n'est pas. Il ne dit que il n'avait pas pensé à ça, mais peut-être qu'il s'était inconscient chez lui et que de toute façon, non, il n'avait pas pensé à ce moment-là. Et que de toute façon. だから僕はそのことを考えたことがあるからね。つまり子供の回想にしようかというようなことも依頼たことがあるんだと言ってるわけでしょ。Mais il a pensé à un moment que ça pouvait être aussi vécu comme ça, puisque il a pensé, mais c'était pas tout à fait formulé, mais quand il a pensé qu'il ferait les mémoires du petit garçon devenu adulte, c'est vrai que c'était peut-être dans cet esprit-là qu'il avait pensé à cette possibilité de tourner cette histoire. Merci, Martin. Est-ce que c'est parce que les femmes sont réputées de la nature que vous avez immédiatement adopté cette situation ? Imane, il y a pas de onna no koibito, no kanozo no koibito wa shimpanze desu ne. Gyaku no koto o kanae natta koto wa nai desu ka? Yappari hajime kara ne, sore wa otto no hou ni shimpanze no mesu ga itta toikoto wa kanae naranakatta de shou ka?あるいはこれはやっぱり女性の方がね自然に近いから当然にやっぱり女性の物語から始まった方がいいと思われたんでしょうか。そうですね、基本的には。だからご主人の恋人はシンパンジーのメスは考えたことはある、実際にね例えば動物園なんかではね飼育係とねメスのチンパンジーの場合にね非常にそういうケースは多いんですよね。メスのチンパンジーが男の飼育係に愛着するという形の方がね。ああ、そう。でも僕は初めからそれは考えませんでした。Non, non, moi je n'ai jamais voulu. Au niveau du scénario, j'ai voulu raconter depuis le début l'histoire. J'ai pas pensé à faire une histoire d'un homme avec une femelle chimpanzé. Ceci dit, dans les zoos, il y a dans la réalité, ça se passe. On te dit des chisaïo à Rundus. Des éleveurs de singes avec des femelles chimpanzés, ça se passe assez fréquemment. Mais moi, dans mon film, ce dont je voulais parler, c'était vraiment la femme avec. Un amant chimpanzé. Mais dans la réalité, ça se passe très fréquemment, dans le sens que vous vouliez. これはね、実際にはね、その動物園なんかにおけるその飼育係とチンパンジーの問題というのは非常に問題がありましてね、実際そういうふうに一旦この飼育係にこの愛着したメスのチンパンジーなんてのはね、その後、つまりちゃんとした普通のつまりチンパンジーのオスをあてがっても、その間の夫婦関係がうまくいかないんですね、これは。Non, dans la réalité, dans les zoos, il y a beaucoup, beaucoup de relations privilégiées entre des femelles chimpanzés et leurs éleveurs. Et ça pose des problèmes parce qu'après, on présente des chimpanzés mâles à ces femelles et elles refusent les chimpanzés mâles. Et ça pose des problèmes, beaucoup. Vous pouvez poser une question sur le traitement du film, c'est-à-dire le ton. Parce qu'avec un tel scénario, ça aurait pu aussi finir comme l'Empire des Sangs, c'est-à-dire plutôt mal. Et là, il se trouve que c'est un des rares films de Oshima, enfin, sauf erreur, qui se termine par happy ending, ça finit bien, disons. Et est-ce que, je sais pas, est-ce que le traitement un peu vers... Il est d'accord si M. Oshima dit de son film que c'est une comédie. On peut le prendre comme une comédie. これはちょっと大島さんの映画にしてはちょっと珍しい、どっちかというと珍しいですね。まあ愛の恋だのように終わらない、終わる可能性もあったのに、かかわらずこれはハッピーエンドになさったわけですね。これはだからそういう意味でね、一種のコメディと言っていいですか、この映画のね。その作家の側から言うということはおこがましいんだけど、もしもコメディと思ってというかな、つまり要するに笑って見てもらえれば大変嬉しいですね。C'est pas à moi comme auteur de déterminer ce que c'est, mais enfin si on a ri et si on se sent comme après avoir vu une comédie en voyant ce film, je suis très heureux. J'en serais très heureux. じゃあそのラストがね、ハッピーエンドであるかどうか、あるいはなぜああいうふうになったか、
ということについてはね、私自身まだもう一息その考えがね、煮詰められてなくて、要するにまあ僕は映画を作ってる間も考えるけど、終わってからもずっと考えてるんですね。まだちょっとそのラストシーンのところまでは僕は考えがちゃんとね、なんていうのかな、はっきり分かってないところがありますね。Mais quant à dire que c'est une fin heureuse, une happy end, je ne suis pas complètement sûre, je ne sais pas encore. Je veux dire, j'ai déjà, en cours du tournage de ce film, j'ai changé, la fin a changé, et même maintenant, je suis, bon, après avoir fini le film, on continue, un cinéaste continue dans sa tête à refaire le film, et sur cette fin, je ne suis pas encore tout à fait sûre du caractère de cette fin. Je ne suis pas encore sûre d'avoir dit vraiment le dernier mot et vraiment dit quand on dit que c'est une fin heureuse. C'était quoi l'autre fin, dans quelle autre direction ? Tout de suite, j'ai écrit un autre ending au Kanganata. Oui, tout le temps, il y a des mots. つまりマックスが車の上に乗って帰ってくるというところで終わってもいいんじゃないかという気持ちにもなったことがあるし、あるいは最後に実際にその警官が入ってきて、それでマーガレットが銃を持って警官を撃つか、あるいはマックスを撃つかというようなエンドも考えたことがありましたし、いろいろ考えましたけど、結局まあ現在のような形。Bah, il y avait plusieurs fins auxquelles j'avais pensé. Il y avait une fin où c'était Max qui était ramené à la maison sur la voiture, et puis on s'arrêtait là. Je ne sais pas ce qui se passait après. Et les autres fins, c'était les policiers qui entraient, et Margaret avait le fusil. Soit elle tuait un policier, soit elle tuait le singe. Alors, enfin, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de fins comme ça, possibles. J'ai hésité beaucoup, puis j'ai choisi celle-ci. まあ、もう一言言わせていただければ、でもちょうどこの間からまた今回の風切りのためにパリへ9月の初めに来たわけですけど、9月に来たわけですけど、いろいろと爆弾がありまして、でしょっちゅうまあ僕がいるホテルにも救急車の音が聞こえてくるんですね。音がしょっちゅう聞こえてきた時に、僕はこのエンドでね、大体良かったんではないかというふうに思いました。Ce que je veux dire, par exemple, c'est que depuis que je suis revenue à Paris début du mois de septembre à l'occasion de la sortie du film, je réponds à un certain nombre d'interviews, et je suis venue au début du mois de septembre, et depuis le début du mois de septembre, comme vous savez, il y a beaucoup des attentats à Paris, et il y a des explosions, et devant mon hôtel, il y a beaucoup d'ambulances qui passent, et chaque fois que j'entends le ping-pong de l'ambulance, je pense, tiens, si ça avait été cette fin pour le film aussi, c'était aussi possible finalement, ça pouvait se terminer comme ça, peut-être que j'aurais dû finir comme ça. Je me demande des fois, je me demande encore maintenant. J'aurais dû peut-être finir comme ça. Oui, je voulais savoir, parce que on a souvent l'habitude de voir des films à travers la vision d'un metteur en scène, ou d'un auteur, ou d'un personnage. Et là, j'ai l'impression de l'avoir vu à travers la vision de tous les personnages. Et je trouve que ça donne, en dehors de l'intérêt de la fiction, un intérêt dramatique au film. Je voudrais savoir si c'est ce qui s'est passé pour vous. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix, si ça a été le cas ? 普通はね、何か映画を見ますとね、やっぱり監督の目で見てる映画になるか、あるいはある主人公の目でこの映画を見てるか。この場合はね、全部出演者の交代でね、全部の出演者の目で見ているという気がいたしますけれどもね、これはすごくまあユニーク、ある意味でね、ユニークな見方だと思いますけれども、それはもちろん意識されて、まあそういうふうに構成されたんでしょうけれども、やっぱりね、みんなの目で見ているという、いや、これも、出演者の目で。これも初めて聞く指摘なんで、大変僕は非常に今初めて言われたんで、興味がありますね。これから考えたいと思います。C'est en fait la première fois encore que l'on me fait une remarque comme ceci ou qu'on pose une question de ce genre. Je n'avais pas pensé. Et je vous remercie de m'avoir fait cette remarque parce que ça m'intéresse. Et j'y réfléchirai maintenant, mais je n'avais pas pensé que cette histoire était racontée. Dans le regard de tous les personnages. まあ、というのは常識的にはね、この映画はピーター、夫の目で見てると、まあ、ピーターの目と、まあ、作家の目が同じで、そこから見てるというふうに考える人の方が、まあ、一般的だったんで、僕もああそうかなと思ってたんだけど、今別の意見が出てきたんで、そのことをすごく興味ありますね。Non, il me semblait que le bon sens, et en fait la plupart des questions ou des remarques que j'ai entendues à propos de ce film, c'était que le regard était plutôt le regard de Peter, le mari, et que le mari représentait l'auteur, c'est-à-dire moi-même, et c'était plutôt dans ce sens qu'on me posait des questions, et je disais oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai. Et là, c'est la première fois qu'on me dit qu'en fait, l'histoire est contée à travers le regard de tout le monde, et
Et c'est pour moi une nouvelle ouverture et je vous remercie, je vais y réfléchir. J'avais pensé que c'était le regard de Peter jusqu'à présent. Quel type de distribution commerciale envisagez-vous ou espérez-vous au Japon? Est-ce que le film sera présenté en version originale sous-titrée? これから日本での配給はどうなりますでしょうか。それでこれはね、やっぱりサブタイトル字幕はどういうふうに、どういうふうに日本で配給を行うんでしょうか。え、日本では東方東亜という大きいディストリビューターの配給で来年の2月に公開される予定です。で、タイトルに関しては2種類考えてまして、1種類は英語に対する字幕は例えば黄色で出すと。そう日本語にフランス語に対する字幕は、まあ、青で出すとかそう色を変えてその別の言葉が喋られているところを見せるかあるいはその、まあ、英語の分かる人が多いですから英語のところはそのままにしておいてフランス語が喋られているところには英語の字幕を出してそのままにしておいてあとは日本語をベタにこうずっと出すその2つの方法を今実験中です。Le film va être distribué au Japon par une grande société de distribution Toho Towa, qui est une très grande société. Il sera distribué à partir du mois de février prochain. Et en ce qui concerne les sous-titres, nous sommes en train de tester deux façons de procéder. Une façon, ce sera d'utiliser des couleurs différentes. Les sous-titres japonais sont des sous-titres verticaux qui sont placés en général à droite de l'écran. Et quand les protagonistes parlent français, on utilisera une certaine couleur. On teintera les sous-titres, par exemple, en bleu. Bleuté, et quand ils parleront anglais, ça sera teinté en jaune, par exemple. Ou alors, l'autre manière de procéder, c'est comme il y a au Japon quand même pas mal d'anglophones, on laissera le dialogue anglais, et quand les protagonistes parlent français, on mettra des sous-titres en anglais, mais de toute façon, parallèlement et en continu, il y aura toujours les sous-titres japonais qui seront toujours à droite de l'écran, pour le français et l'anglais, et il n'y aura que les sous-titres anglais, il n'y aura pas les sous-titres français. Voilà. Pour le moment, on est en train de tester, on n'a pas encore pris une position claire. On est en train d'essayer pour voir ce qui est le mieux. On n'a pas décidé. Vous ne connaissez pas les gens, donc je vais vous dire, mais au Japon, dans les cinémas, il y a tous les sous-titres de films qui sont diffusés. C'est-à-dire, il n'y a pas de sous-titres. Dans la télévision, parfois, par exemple, les films de France, les films de France, sont sous-titres de films. Sous-titres en japonais? Non, en japonais. Non, parce que je ne sais pas si vous le savez, enfin il y a certaines personnes qui le savent ici, mais au Japon on ne fait pas de version doublée pratiquement. On ne fait que des versions sous-titrées. On sous-titre tout, enfin même il y a beaucoup à la télévision, on donne souvent des vieux films français par exemple, beaucoup, mais de toute façon ils ne sont jamais doublés, ils sont toujours sous-titrés. Enfin ils faisaient comme ça, mais c'est comme ça. Moi je suis un président de la France, donc je veux dire que c'est un niveau de la France qui est très haut, donc je veux dire que c'est un niveau de la France. Comme je suis ici pour le moment représentant du Japon, je n'ai pas l'intention quand même de me comporter comme le Premier ministre japonais, mais je ne voulais pas dire en disant cela que le niveau intellectuel du Japon était particulièrement élevé. Ne vous méprenez pas sur le sens de mes paroles. Je voulais simplement dire une réalité, ça ne veut pas dire que les Japonais sont... Non, c'est une tradition très ancienne, ancrée dans l'histoire du cinéma japonais, et c'est pour ça. Ça ne veut pas dire que le public japonais est particulièrement... de haut niveau. C'est pas ça. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas M. Nakasone qui vante le talent intellectuel de mes compatriotes. Une question au balcon. サルの役を演じる俳優さんの名前を知りたいですけれども一部分は本物で一部分は作り物 SFX を使ってます。猿の中に入っているのはムッシュ・シルベルマンだという説もありますけど本当はイギリスの ある、女優さんでありアクロバットダンサーでありバレリーナである方が入っています。違う、3人ですか？いや、まあ、とにかく今1人なんだ。フランス語で。Bon, en tout cas, le singe, il y a d'abord un singe réel, à certains moments, un vrai singe, et puis l'autre, c'est en effet un singe avec des effets spéciaux, qui est à l'intérieur duquel il y a quelques personnes qui disent que c'était M. Zilberman lui-même qui jouait le rôle. Mais enfin, par autre moment, quand il n'était pas là, c'était une actrice anglaise qui était acrobate et ballerine aussi. C'était soit M. Zilberman, soit... Enfin, vous pouvez choisir de toute façon les scènes. Mais enfin, il y avait aussi des scènes avec un vrai singe.
Voilà. Je prends la parole parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de questions, je le regrette. Je voudrais savoir, avant de tourner un tel scénario, si vous avez fait rechercher dans l'anthologie du cinéma s'il y avait déjà eu des rapports entre animaux humains comme cela. この撮影に入る前にとかあるいはシナリオをお書きになる前にちょっと映画史で世界の映画史でその前にね以前にね同じような話の映画はあったかということを調べになりましたかと。いや、それほどあの僕は調べません。してません。Non, non, je n'ai pas particulièrement étudié l'histoire du cinéma dans cette période. Je n'ai pas cherché à ce moment-là. Je n'ai pas cherché. C'est ça, pardon? Est-ce qu'il y a eu déjà des films comme ça, des histoires entre des animaux et des êtres humains? Pas mal, oui. Beaucoup. De King Kong à... King Kong à la... À la Belle et la Bête. Bijoto. Bijoto. Greystock, plus près de nous. Hein? Comment? Par exemple. Mm-hmm. Greystock, tout cas. Hein? Je vais te poser une question. Quelle était la question, là? Oui. Bien, c'est bien. Marco Ferrino, quand on Ah oui, Marco Ferrino. Marco Ferrino. Je veux savoir, c'est une question sur les directions d'acteurs. Je trouve que dans le film, les acteurs sont formidables, très précis. Enfin, les second rôles compris, Pierretta, Lucchini, Anthony Higgins, qui joue diplomate, je trouve extrêmement parfait. Charlotte Rampling, très très bien, justement, sur le fait qu'elle cache ses sentiments. Je voulais poser une question, justement, sur la direction de Chimpanzé, justement, l'acteur, pour savoir si M. Shima s'est posé une question presque morale ou métaphysique, comme vous voulez, sur est-ce que l'animal avait le droit... On peut au cinéma, un animal peut exprimer des sentiments, ou est-ce que justement il ne doit pas en exprimer? Et justement, comme le chimpanzé est un personnage à part entière, j'aimerais savoir s'il pouvait répondre à cette question. これはもう別にね集約だけではなくて、うん、セコンドリーのマルキンとかね、うん、みんな素晴らしいと思いますけれども、うん、じゃあ猿という役に関してはねやっぱりちょっと道徳的ですかエシックのご質問したいけれども、うん、動物としてはねやっぱりその演技に対してね演技権があるでしょうかどう思っていらっしゃいますかやっぱりね動物であっても、うん、やっぱり演技の何ですか責任とかあるんでしょうか動物であっても、あるいは指導はどういうふうに、あるいはね、その映画でやっぱり表現ですか、表情、うん、動物ですから、うん、結局自分の表情をする権利があるでしょうか。うん、まあだからリアルな場合にはね、リアルの猿の場合にはこれはもうこっちからいくら言ってもね、そんなにできるわけのものではないから、うん、で、まあ作り物に関してはやはりでも、うん、そうですね、それはまあ、おそらくあの来週あたりあの今週から来週にかけてちょっとぐらいはその作り物の猿に関してあのテレビかなんかにも出ると思うんですから絶対見てほしいんですけどつまり完全にそのうんどう言えばいいのかなつまり勝手には演技できるわけじゃないですからねそれはやはりもうなんか監督をはじめスタッフがいろいろ協力しながらまあ演技をさせていくということになったんじゃないでしょうかね、うん、ということだと思います。だけど猿にはね、そういうやっぱりね、俳優になるそういう権利、やっぱりね、もう少しね、哲学的な話ですね。うん、哲学的な意味ではね、やはりその、やっぱりよく、まあ、ヨーロッパでそういうことを言うかどうかは知りませんけど、日本では、要するに動物と、あの、子役、子供にはかなわないと。だから、あの、有名な俳優さんは、その動物が出たり、あるいはその、子供、特に赤ん坊が出て、来るような映画にはね、やっぱり出たがらないですよね、うん、有名な俳優は。うん、要するにやはりその自然にはかなわないということですね、つまり演技というのは。だから僕はあのさっきテストンさんが褒めあの俳優さんを褒めてくれたことは大変嬉しいんですけど、うん、というのはあの結局僕、この映画に出た俳優さんはみんな非常にあの無意に演技をしようとしないで、非常にこの自然に振る舞ってくれたんだと僕は思います。Tout d'abord, je voudrais vous dire, bon, à propos de Chour, merci d'avoir dit que ces acteurs est...jouaient très bien, mais en fait, je crois que plutôt que jouer, ils ont été très naturels, enfin, y compris les acteurs, même les secondaires, enfin, ils ont accepté d'être très très naturels, c'est la chose la plus remarquable qu'ils ont accepté de faire, je crois, premièrement. En ce qui concerne le jeu du chimpanzé, de toute façon, en ce qui concerne le chimpanzé, quand il était réel, ben ça, de toute façon, on ne peut pas le contrôler. Il a le droit de s'exprimer comme il s'exprime, de toute façon, ça, je n'y pouvais rien. En ce qui concerne le faux chimpanzé, on a essayé de, c'est par l'atmosphère qui était autour de lui, de faire
comprendre ce qui se passait en lui, que son jeu se faisait comprendre plutôt par l'attitude des personnages autour de lui, plutôt que directement, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire exprimer directement, on ne peut pas se mettre à la place d'un chimpanzé. Et ça, c'est une chose qui est une constante au Japon. En général, les acteurs ou les actrices célèbres refusent de jouer des scènes avec des animaux où apparaissent des animaux ou des enfants, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas commander les expressions des enfants et des animaux. Oui. France de Mosso Desne, au Ménage, donc, savoir s'ils ont le droit de s'exprimer. De Bâle. À Bâle, on a un zoo où les chimpanzés savent éplucher une banane très bien. Et ça m'a frappé dans ce film que ça ne se faisait pas. Oui, que le chimpanzé qui est donc venu d'un cirque, hein, qui était élevé, il ne savait pas manger correctement. Or, les chimpanzés, en général, ils savent manger correctement. Boire, manger correctement, tout. ちょっとね、今バーザンから参りましたんですけどね、バーザンにね、動物園がありまして、そこの動物園にいるチンパンジーたちが、ちゃんとしてね、バナナの剥くこともできるし、ちゃんとテーブルの料理がいいのですけれどもね、今度この映画に出てるチンパンジーはね、全然ね、その正しく、まあ、ちゃんと料理悪いしね、ちゃんとバナナでさえもね、剥けないとかね、それをびっくりしましたけれどもね、本当はね、ここのチンパンジーはね、バナナ剥きもできてもいいのにと思ってたんですけれども、でも所詮やっぱりバナナ剥きに関してはいくらうまくやっても動物園にいるチンパンジーにはかなわないと思うんですよね。だからそういうところはあんまりやりませんでしたけど。Non, non, mais de toute façon, ce n'était pas ça tout à fait qu'on voulait montrer. Et de toute façon, il n'aurait pas été. Ce n'est pas un chimpanzé dans un zoo, donc. Lequel ? Celui du film ? Oui, on parle que c'est un chimpanzé d'un cirque. このチンパンジーはね、これはサーカスから。ダンサーシルク、je connais aussi les cirques ni les chimpanzés, ça vient faire quoi. サーカスではないですね。サーカスから動物園に売られたという想定になってます。それからね、できるはずなのにということですけれども。Oui, c'est vrai, non, il était d'un cirque, il était passé d'un cirque à. Et les chimpanzés sont connus pour copier, nous copier.でね、すごくチンパンジーだとね、我々を真似するのはとてもうまいはずであるのに、なぜこう。いや、でもそういうさ、そういうチンパンジーのね、例えばそういうとこをご覧になりたければね、それは動物園に行ってくださればいいんでね。Non, mais écoutez, non, si vous vouliez vraiment voir un chimpanzé en train d'éplucher une banane, je crois qu'il vaut mieux aller au zoo pour le voir. Hein? Oui, je sais, oui, non, mais je suis... Oui?C'est pour ça qu'il dit, si vous voulez voir un chimpanzé, éplucher une banane, il faut aller voir au zoo, mais pas au cinéma. Je connais des centaines de chimpanzés. Chimpanzé, il y a petit jour, les amis qui sont là, donc. Bien. Après le chapitre, oui, non, vers. J'aimerais que vous nous parliez de cette expérience particulière, qui est de travailler avec des acteurs qui tous s'expriment dans deux langues qui vous sont à des degrés divers étrangères.Et plus loin que ça, j'aurais voulu savoir quels sont les éléments déterminants pour vous dans le choix d'un acteur, quelle est l'importance que vous accordez aux acteurs dans votre cinéma, et de quelle manière travaillez-vous avec eux sur le plateau.難しいフランス語を使いになっている時の俳優さんとの指導はどうでしたかと、それからまずあとはね、その俳優さんの選定にあたってどういう基準でもってどういうふうに俳優さんを選ばれるんですかと、それから3番目は、まあ、結局その俳優さん、まあ、今度そのキャスティングはね、どういう重要さを与えていらっしゃるんですかということと、la quatrième question c'était l'importance des acteurs, l'importance que vous avez accordée aux acteurs, et puis la quatrièmeOui, et puis après, dans ce cas-là, j'ai ça donné, ça serait notre kini, d'où il finit, si d'où ça serait de ce qu'on a fait. Que la solitude a été yotsu, ce n'est pas Kotoba no.まあ、順番まずね、そのはい、キャスティングというのがどのぐらい重要かということについて言いますとね、映画にはいろんな重要な要素があると思います。ただ他のことはね、
つまりこのなんとかカバーすることができるんですね。ちょっと例えば選択を誤っても、ところが俳優さんの選択だけはね、誤るとこれはもう取り返しがつきません。そういう意味では非常に重要だと思います。Bon, bah, je vais changer l'ordre des réponses par rapport aux questions. Excusez-moi, je vais répondre à la troisième question, c'est-à-dire l'importance des acteurs dans les films. Et je pense que c'est l'élément, dans un film, pour la réussite d'un film, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants, mais je crois que le choix de l'acteur est tout à fait déterminant. C'est-à-dire qu'on peut se tromper dans d'autres choix, on peut réussir à cacher, à couvrir ses erreurs dans d'autres choix, mais si on s'est trompé dans la distribution, là, ce n'est pas récupérable. Donc la distribution est très très importante. Les acteurs jouent un rôle fondamental, le choix est très important et on ne peut pas couvrir une erreur quand on a fait une erreur dans un choix de l'acteur. それで俳優をじゃあ選ぶ時の基準ですけれども、僕は結局は要するに人間的に僕が好きな俳優を選びます。それ以外に基準はないです。大変僕のところにそのいい助監督がついてくれて、すごく大勢俳優さんを見せてくれたんですね。で、彼がいつもその彼は大変グッドアクターだと、あるいはグッドアクテレスだと言って見せてくれるんですけど、僕はグッドアクターもグッドアクテレスもいらんのだと、それ僕はただ僕が好きな人間が欲しいだけなんだということを繰り返して言いました。En ce qui concerne la deuxième question, c'est-à-dire le choix, quel était le critère de choix, comment je choisissais mes acteurs, pour moi c'était la seule critère, c'est il faut que j'aime la personnalité, le côté humain de cet acteur. Et j'ai des bons assistants, j'ai toujours eu de bons assistants, en particulier cette fois-ci, un assistant qui me faisait rencontrer un grand nombre d'acteurs ou d'actrices qui me disaient « c'est un excellent acteur, c'est une très bonne actrice ». Et je disais ça m'est complètement égal, ce que je veux c'est aimer sa personnalité. Je veux que du côté humain, il ou elle me plaise, c'est ça qui me détermine. C'est la seule chose déterminante et importante pour moi, que j'aime cet acteur, ou que j'aime cette personnalité, j'aime son caractère. それともう一つは僕は大体においてあれですね、主役を決める、もちろん主役を決めるということは初めからずっと考えているわけですけども、いざキャスティングするという時になると主役じゃないけどもある役にまず一人の人を置いて、その人を基準にして他の人を考え始めるという方法をとっています。ですからこの映画で言えば僕が一番最初に決めたキャスティングはピエール・エテックスを探偵に決めたことですね。で、僕はピエール・エテックスを。C'est-à-dire un acteur qui sera, qui il faudra que tous les autres acteurs soient au moins de ce niveau-là et qu'ils soient toujours la référence. Et par exemple, dans le cas de Max von Amour, pour moi, le premier acteur pour lequel j'étais absolument sûre que je voulais je voulais qu'il soit dans ce film, c'était Pierre Etex qui jouait le rôle du détective. Et à partir de Pierre Etex, dont j'aimais la personnalité et dont que j'aimais aussi comme auteur, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, j'étais sûre qu'avec lui, bon, il n'y a pas d'erreur. Et à partir de là, je choisis tous les autres acteurs. Donc, c'est le cas de Fuyo, c'est Harakiri, c'est Kanemoto, qui est un chosenjin de la gunzo, qui est un chosenjin. Et c'est le cas de Corrida, c'est le cas de Fuyo, 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 c'est le 編集長ですけども、そういうそれ彼女を決めて他を決める、そういうふうにやってます。Alors pour vous donner des exemples dans d'autres films, dans Furio par exemple, ce premier personnage que j'ai choisi, ce premier acteur que j'ai choisi, c'est celui qui jouait le rôle de Kanemoto. Kanemoto, c'était ce garde coréen qui commettait le seppuku là au début du film. C'est lui que j'ai choisi d'abord et à partir de là, j'ai articulé tout le reste de la distribution. Et dans l'Empire des Sens. Je ne sais pas si vous vous souviendrez, c'est vers la fin, il y a une actrice, une bonne de l'auberge, assez corpulente, qui arrive à la fin, et c'était elle que j'avais choisie, la première dans tous les acteurs. Et elle était, en fait, elle n'était pas du tout actrice, c'était un amateur, elle était rédactrice en chef d'une revue de cinéma. Donc, c'est comme ça, j'ai choisi des acteurs de l'auberge, donc... つまりセットへ入った時にはあまり私はもうほとんどあまりあるいはほとんどと言ってもいいくらい演技指導はしない方針です。私の監督料はそんなに高くないので演技指導料は入ってないという考えに立っておりますので。Et ensuite, donc c'est comme ça que je choisis mes acteurs. À partir du moment où je les choisis du point de vue humain, je suis sûre de ce qu'ils vont faire. Et c'est pourquoi je ne donne pratiquement pas de direction d'acteur. Je n'effectue pas de direction d'acteur. D'ailleurs, je considère que mon cachet de réalisateur est déjà suffisamment petit, faible, qu'il ne couvre pas les frais pour la direction d'acteur. Je ne suis pas payée pour ça et que, de toute façon, je suis payée comme réalisateur et pas comme coach d'acteur.
Donc, je ne fais pratiquement pas de directive, de direction d'acteur.僕はリハーサルたくさんほとんどしませんし、リハーサルもちろんあの撮影日があってその前にやるリハーサルも僕はもう絶対にしませんし、それから撮影の現場でもリハーサルの数はもうなるべく少なくしようと思いますし、それからテイクも本当に1回で終わりたい、まあ仕方がないから2回3回の時もありますけど、原則的には1回で終わりたいと考えて、だから俳優さんが自由に最初に出してくれるものを僕はキャッチしようと思ってます。 Et en ce qui concerne les répétitions, je n'en fais pratiquement pas. En tout cas, il n'est pas question de faire des répétitions, par exemple, la veille ou avant, avant le tournage. J'en fais au maximum juste avant la prise, peut-être, éventuellement. De même, pour les prises, je ne fais en principe qu'une seule prise. Si quelquefois, il y a eu des problèmes ou je ne suis pas tout à fait sûre, je fais une deuxième prise, exceptionnellement une troisième. Mais enfin, en général, j'essaye de prendre à la première prise ce que les acteurs veulent bien exprimer d'une manière libre quand on les laisse... jouer avec ce texte et je crois que c'est ça le mieux. さっきお昼の食事をコスタガブダさんにご質問になりまして、その時にそのパビスルッキーニの話が出たんですけども、ガブダさんの話ではルッキーニは最初のテイクから次が素晴らしくいいんだったんですよね。でしばらくもう全然ダメになってくると、でまたそれを10回もやってるとまた良くなってくると、僕はまさにあのいい俳優さんっていうのはまさにそうだと思うんですね。 Tout à l'heure, pendant le déjeuner où j'étais invitée par Costa Gavras, justement, nous avons parlé d'un des acteurs du film, de Fabrice Lucchini, et Costa Gavras le connaissait bien et avait dit que c'était un excellent acteur à la première prise, à la deuxième aussi, mais qu'après, il fallait attendre une dizaine de prises et après, il redevenait bon à nouveau. Mais les dix prises après les deux premières étaient toujours... assez mauvaise. Eh bien, moi, comme je n'ai pas du tout le courage de prendre 12 prises, je n'ai pas du tout l'envie, que je ne suis pas assez obstinée pour le faire, je préfère essayer de le prendre. Je crois que pour tous les bons acteurs, c'est comme ça, que la première prise, au maximum la deuxième est bonne, mais qu'après, ils ne sont plus bons pendant un certain temps, et puis après, ils redeviennent bons. Et comme ce n'est pas mon genre de faire 10 ou 12 prises, je préfère me contenir à la première ou la deuxième. だからまあ私も本当にあの一つの映画をやってる間に 一人の俳優さんについて1回ぐらいはですね、ちょっとそれはやめてくれということもありますし、あるいはそれはこうした方がいいんじゃないかということもありますけど、それはせいぜい1人の俳優さんについて1本の映画につき1回ぐらいですね。あと若い女優さんが非常に緊張してるときは彼女の後ろに回って肩をもんであげますけども、これは役得でありまして、今回はあんまりそういう若い女優さんいなかったので、誰の肩ももめませんでしたけど。 Non, et au maximum, enfin, ce qui m'arrive au maximum, c'est en tournant dans un film, au maximum une fois par acteur, il peut m'arriver de dire non, j'aimerais mieux, non, il ne faudrait pas faire comme ça, ou bien j'aimerais mieux que vous fassiez plutôt comme ça. C'est le maximum de ce que je peux dire à un acteur. Puis il m'arrive aussi quand je vois une jeune actrice que je vois trop tendue, pour la détendre, il peut m'arriver de venir lui masser les épaules pour qu'elle se détende, mais cette fois-ci, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce qu'il n'y avait pas de jeune actrice qui m'a suffisamment tentée pour que je leur. マスメで、これ。だからまあ、フランス語、あるいは外国語の話も出ましたけども、まあ、いずれにしてもね、僕が大変俳優としての能力があればね、僕はその俳優を自分でやってるのであってね、やはりもう俳優さんが喋ったからにはね、もうそれはしょうがないんだと思うんですね。その良くても悪くてもね、その人の要するに何かこう、そうですね、その人の命がその言葉に入ってれば、それでいいんで、だから、それが。 Et enfin, en ce qui concerne la première question, finalement, qui va être la dernière réponse, c'était à propos des problèmes de langage, enfin, de diriger des acteurs qui parlaient soit en français, soit en anglais, qui étaient des langues que je ne connais qu'à des degrés plus ou moins variables. Et moi, je pense que de toute façon, fondamentalement, quand un acteur s'exprime, il met toute sa vie, toute sa force, tout lui est dans ses paroles. Peu importe la langue qu'il parle, et peu importe si c'est bien dit ou pas bien dit, pour moi, à partir du moment où il est sincère, il a mis toute sa vie dans ses paroles. Je n'ai pas à intervenir là-dedans, donc ça n'avait pas d'importance que ce soit une langue que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Dans le prolongement de la question précédente, pourquoi avoir choisi Raoul Coutard? Est-ce un hommage déguisé à Godard? Et comment s'est passé le travail avec Coutard sur le tournage? Non, c'est son nom, Raoul Coutard. Oh, et la binaire, il m'a
と、それはやっぱり種のね、そのゴダーに対する一つの表現の意味でしょうか。それから実際はね、カウプターと仕事をやってどういう中だったんですか。これは不思議なことにですね、僕はもちろんフランスのキャメラマン、ディレクターオブフォトグラフィーの名前をそんなにたくさん知らない。だからアルプタールの名前はもちろんよく知ってました。でプロダクションが僕に提案したのも2人だったんですけど、その1人がもうラウル・プタールだったんで、私は文句なしにじゃあラウル・プタールとやりたいって言いました。もちろん僕はゴダールの作品を好きですけども、というよりはやっぱりもうラウル・プタールそのものの技術をぜひ知りたいっていうかな、うん、一緒に仕事したいと思いました。Non, en fait, je ne connais pas tellement de directeurs de la photo français, mais enfin, je connaissais un certain nombre quand même, et en particulier, je connaissais bien sûr le nom de Raoul Coutard, et j'avais en fait pensé, enfin, la production m'a proposé deux directeurs de photo, et dans ces deux, il y avait Raoul Coutard. Alors moi, j'ai dit, bon, ben, je suis d'accord, j'avais envie, j'aime Raoul Coutard, pas seulement, je sais bien qu'il a été le caméraman de Godard, ça je le savais, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi. J'avais plutôt envie de voir comment il travaillait, j'avais envie de connaître sa technique, et c'est pourquoi j'avais envie de... J'ai dit tout de suite oui pour Raoul Coutard. J'avais envie de le connaître plus. やる、それからいつもこの監督が何をやりたいかということを一番大事に考えて、どんな場合にでも受けて立てるという立場にいるということが分かって、大変安心して一緒に仕事をすることができました。Je croyais que c'était quelqu'un qui était peut-être beaucoup plus, comment dirais-je, qui apportait peut-être plus de lui-même. J'étais un peu, je me demandais comment ça pouvait se passer le rapport avec lui. Je pensais qu'il faisait peut-être beaucoup de propositions, ou peut-être qu'il apportait beaucoup d'idées, et puis en fait je me suis aperçue qu'il était surtout tout à fait orthodoxe, c'est-à-dire qu'il respectait profondément et totalement les désirs profonds du réalisateur, et qu'il s'y conformait et qu'il les acceptait profondément, et qu'il essayait de les mettre en œuvre du mieux, du meilleur qu'il pouvait, et ça a été très impressionnant pour moi. Je trouve que l'image du film est assez proche des dernières œuvres de Godard, notamment Détective. Et c'est pour ça que je me demandais s'il y avait une démarche godardienne de Coutard sur un type de filmage précis, un type de temps. Détective, c'est pas de Godard, c'est pas Coutard. Ah oui, c'est vrai, c'est Nuitel. Passion, Coutard. Pardon. Non, mais même peu importe, dans le prolongement de l'œuvre de Godard. Peu importe. Non, on peut quand même dire que les derniers films de Godard ont une image plutôt rigoureuse, sans trop d'effets. Il me semble que dans ce film également, contrairement à vos premiers films, tels que Conte cruel par exemple, où on a fait beaucoup de comparaisons avec la Nouvelle Vague à l'époque. だからね、そのクターのやっぱりね、映像を見ますとね、今の映画の映像を見ますと、どうしてもね、やっぱりそのクターの意思がすごく、いや、ゴダールの最後の時の最近の映画とちょっとどっかで似ているというふうになってるんですけれども、だからどっちかというとそのクタールのやっぱり意思が通ったということを感じますけれども、もちろんそれでいいんですよ。 Non mais c'était coutardien, mais ça c'est très bien de voir que c'était en effet des images de Coutard, c'est sûr. つまり映画というのはこれはね、共和国であってね、エンパイアじゃないんですね。この共和国の中でスタッフや俳優さんの一人一人の意思がね、貫徹しなきゃいけないんですね。でしかもその上に監督のイメージがなくちゃいけないんですね。Non, je pense que le cinéma c'est une république, ce n'est pas un empire. C'est-à-dire que dans cette république, tout le monde a le droit de s'exprimer, les acteurs, les membres de l'équipe, tout le monde doit faire passer de sa volonté. Et le travail du réalisateur, c'est d'essayer de contrôler que l'image finale soit conforme à l'image qu'il a lui dans sa tête. Mais chacun doit s'exprimer absolument. Membres de l'équipe, les acteurs. Et c'est très bien qu'on voit que les images sont de Coutard. C'est très très bien. C'est ce que je souhaitais. Une question au fond. À ce sujet, pour la musique de Michel Portal, on se rend compte qu'elle a été assez discrète, mais qu'elle donne une couleur importante au film. Et on remarque par exemple un côté aristocratique dans l'utilisation de la clarinette, et puis la flûte dans le générique qui fait penser un peu au côté exotique du singe, enfin ces choses-là.
J'aimerais savoir si vous en avez beaucoup parlé, si vous avez laissé Michel Portal libre de faire sa musique avec très peu d'indications de votre part, ou si au contraire vous avez beaucoup analysé les choses qui devaient être dites par la musique. Donc, en général, de toute façon, ce que je fais dans ma collaboration avec les compositeurs, c'est que je précise les endroits où je veux de la musique. Ça, c'est la chose que je détermine clairement. Je veux de la musique là et là. Mais en ce qui concerne la musique et les instruments, je les laisse complètement libres, en général. Mais dans le cas particulier, comme Michel Portal était très gentil, particulièrement attentionné, il venait, il me proposait, il me montrait des échantillons de musique, il me disait « est-ce que ça vous va ?» Et à chaque fois, d'ailleurs, j'étais tout à fait satisfait. Mais normalement, je les laisse complètement libres. Mais là, c'est Michel Portal qui lui, de son propre chef, venait me faire entendre ou me proposer des choses. Et je disais toujours oui, parce que j'en étais ravie. Monsieur Oshima, on a la chance en France de redécouvrir ou de découvrir vos films antérieurs. Et cette année, on a eu le grand bonheur de voir Contes cruels de la jeunesse. Et j'ai le sentiment, je voudrais vous poser une question, on a le sentiment que vous êtes passé un petit peu d'un stade de révolte ouverte contre la société, en l'occurrence la société japonaise, à un stade, disons, de subversion plus soft avec le dernier film Max Mon Amour. Est-ce que c'est une évolution pour vous personnelle, un mûrissement en tant qu'homme et qu'artiste, ou est-ce que c'est aussi la marque ou la trace d'une impossibilité d'affronter plus violemment la société réelle, que ce soit la société occidentale que vous connaissez un petit peu depuis Furio, ou même la société qui est la vôtre au Japon? Comment passer de la révolte, comme un film comme Contes cruels de la jeunesse est un film sur la révolte, sur la jeunesse, sur la rébellion, quelque chose de sauvage, une irruption comme ça à la fois sexuelle et politique dans la marge, et à un film comme Max Mon Amour qui est un film, je vous dirais, plus sournois et à mon avis encore plus profond contre les tabous ou la morale. それでその時の映画を見ますとね、その時はすごく明らかな社会に対する一つのレボルトだったんですね。それで今の映画を見ますとね、だいぶね、それはまあすごくソフトね、サブバージョン、サブバージョン、サブバージョンになっているわけですけれども、それなぜそういうふうになったかということをお聞きしたいですね。個人的に、まあ自分が変わられたんでしょうか、あるいは今の、まあそういうの社会だけではなくて、日本の社会に対するそういう抵抗とか反抗することは不可能であることは意識されたから、こういうような、より不可抗争の犯行ですか、レボルトの表現しかないということでしょうか。個人的にそういうふうになったでしょうか、あるいはそれは社会に直接ね、ぶつかるよりも、ですからそれはやはり、サブバージョンの道の方がいいと思っていらっしゃるからでしょうか、どっちでしょう。つまりあれですね、この社会も変化したし、私自身も変化したと思うんですね。でそれはやはりあの両方ともこの結びついてると思います。 Je crois que d'une part la société a changé et que moi aussi j'ai changé et je crois que ces changements, ce cocktail de ces changements a donné le résultat actuel. だから例えば青春残酷物語のような形での反抗というものは、今あれをやっても僕は意味がないし、また僕はやれないと思うんですね。あるいは若い人があるかもしれない。しかしおそらく若い人が今の社会にプロテストするときにはもうちょっと違ったやり方をすると思います。
Par exemple, quand il s'agit de la, des contes cruels de la jeunesse, je pense que cette façon de montrer sa révolte, faire ça maintenant, ça n'aurait d'une part, ça n'aurait pas de sens, premièrement, il me semble. Et d'autre part, moi, j'en serais incapable. Je serais incapable de faire un film de ce genre-là maintenant. Il est possible qu'un jeune réalisateur pourrait peut-être faire un film comme ça sur la jeunesse, sur la révolte contre la société, mais je pense qu'il ne prendrait pas la forme que je lui ai donnée dans les contes cruels de la jeunesse. Je pense que ça serait différent. De toute façon, pour moi, c'est exclu et... それからまああのやはりあれですね、例えば青春残酷物語を作ったときは、僕はもうちょっとつまり、あのそうですね、つまり早い期間に、短い間にね、社会を変えなければならない。でなおかつ変えられるというふうに思ってましたね。À l'époque où j'ai fait les contes, par exemple, pour vous donner un exemple de la façon dont la société a changé à l'époque où j'ai fait les contes cruels de la jeunesse, je pensais qu'il fallait absolument changer la société dans, très rapidement.Et en plus, je pensais à cette époque-là que c'était possible encore. Et je crois maintenant que, par contre, je ne pense pas qu'il soit nécessaire, que je ne pense pas d'abord que je ne crois pas que l'on puisse changer la société très vite, et d'autre part, je ne souhaite même pas, enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, finalement, de la changer aussi vite. Donc, ce que je pense maintenant, c'est qu'au fond de moi, je pense qu'il faut prendre une attitude radicale vis-à-vis de la société, qu'il faut en effet la critiquer, mais peut-être pas de la même manière que dans les contes cruels de la jeunesse, plus de la manière aussi violente, mais beaucoup plus soft, comme vous avez dit tout à l'heure, une subversion soft plutôt, je crois, de manière soft plutôt que la manière violente. Oui, je voudrais savoir quel est l'accueil de la jeunesse japonaise pour vos films, s'il vous plaît. Sur quel film ? Sur l'ensemble des films de M. Oshima. Ma, 一般的なね、Oshima さんの映画はね、日本の若者たちの受け入れについて。まあ、そのね、一般的に言ってもしょうがないと思うので、例えばあの、不良は大変に日本の若い人にアピールしました。特に若い女の子供、子たちに。10代の半ばのね。Je ne peux pas répondre d'une manière générale, c'est très difficile, mais enfin, par exemple, dans mes derniers films sur Furio,il a été remarquablement bien accueilli par les jeunes et en particulier par les jeunes filles. Enfin, quand je dis les jeunes filles, c'est les jeunes de entre 15 et 20 ans, enfin de moins de 20 ans. Remarque, très bien accueilli, très fortement. Oui, j'aimerais savoir si vous avez un film en préparation, si c'est au Japon ou peut-être encore en France, en Europe. Il m'a dit que le film est en préparation.終わりでしょうか。もちろんヨーロッパになるでしょうか。アイディアはあのいくつかありますけども、やはりあの僕が具体的にこれをやろうという決断は、やはりあの日本でこの映画を封切った後でないと決断できないと思います。なぜかというと、さっきも言ったようにまだ僕はこの映画についてまだ考えることがだいぶたくさんあるんですね。Non, bien sûr, j'ai un certain nombre d'idées sur des films que je voudrais faire, mais de toute façon, je ne prendrai une décision que après la sortie de ce film au Japon.Et comme vous avez pu le comprendre tout à l'heure quand je vous ai dit que je continuais dans ma tête en parlant, en écoutant les uns et les autres parler de ce film, je continue à le tourner encore dans ma tête. Donc je ne peux pas penser à un autre film pour le moment. Ce ne sera que quand ce film sera sorti au Japon que je pourrai penser et prendre une décision et choisir parmi les différentes idées que j'ai en tête. Je voudrais poser une question aussi pour enchaîner là-dessus, sur la production. C'est-à-dire que M. Oshima a commencé à l'époque où le Japon avait encore des majors, sur la Shoshiku.Ensuite indépendant, puis ensuite il a continué à travailler avec des producteurs enfin, français, c'est-à-dire Anatole Dauman et Serge Silberman. Je voudrais bien qu'il parle un peu de la situation de la production au Japon actuellement. Est-ce qu'il pense qu'il est encore possible d'y faire des films? Et est-ce qu'il existe des vrais producteurs, au sens où on l'entend ici, comme des gens avec Silberman ou Dauman? それからあとは独立プロの時代もあって、はい、そのあとはアナタル・ドバンとかフランスのプロデューサー、うん、いわゆる偉大なプロデューサーと一緒に映画制作されるようになったんですけれども、日本ではね、やっぱり映画界といいますとそういうような、まあ、どうなってますか、そのメジャーの役割と、それから
素晴らしいプロデューサーいますでしょうか。いらっしゃいますでしょうか。まあ、素晴らしいプロデューサーという偉大なプロデューサーというのはドマンとかね、シルバーマンのようなプロデューサーいらっしゃいますでしょうか。まあ、日本はですね、結局そのメジャーの会社は自分のところはその制作はもうほとんどやらないでおこうと、つまり配給と興行だけやって、つまり毎年そのアメリカから ET とかドッキーとかそういうのが来てくれればもうそれで儲かると、それでいいというふうに考えているところが多いですね。En ce qui concerne les majeures japonaises, malheureusement, ils ont renoncé pratiquement à la production. Ils se contentent de faire la distribution et l'exploitation commerciale des films. Et ils, eux, pour eux, leur rêve, ce serait qu'il y ait tous les ans des films comme E.T. ou bien comme Rocky. Et ils seraient absolument ravis. Ils gagneraient de l'argent facilement. C'est tout ce qu'ils souhaitent maintenant. D'ailleurs, je pense que c'est une chance de produire des producteurs indépendants. Mais il y a une chance de produire des producteurs indépendants. Mais il y a une chance de produire des だからやはり例えばあのトルドーマンとかセルジ・シルベルマンのようなやはりいいプロデューサーは日本にはおりません。Donc ce serait peut-être une époque rêvée pour l'apparition de producteurs indépendants, mais malheureusement la tradition n'existe pas. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas de producteurs remarquables comme ceux qu'on peut voir en France, Anatole Doman ou Serge Silverman. Il n'y a pas cette tradition des producteurs indépendants. でまあこれはね映画の界の話だけではなくてね、日本ではなかなかその一人あるいはインディペンデントでその芸術もやるしその商売もやるというような人はその映画の中だけじゃなくてね、非常にこの、まあ、少ないというかね、ほとんど例外的なんですね。やっぱり全てがこのカンパニーという感じでね、動いていく、そういうこともやはり関係があるかもしれません。Ceci dit, ce n'est pas limité, ce phénomène n'est pas limité au monde du cinéma. Au Japon, c'est pratiquement inimaginable d'être indépendant pour faire quelque chose qui soit à la fois dans le domaine artistique et commercial. Quelqu'un qui se lancerait de manière indépendante, c'est pratiquement inimaginable. On pense toujours en termes de société. On le fait dans le cadre d'une grande société, d'une compagnie. Et c'est pourquoi il n'y a pas de producteurs comme... c'est pas possible. Mais c'est pas seulement limité au monde du cinéma. C'est dans tout le domaine, le monde artistique ou dans tout le monde. Faire quelque chose de manière indépendante, en dehors du cadre d'une grande société, c'est pratiquement... だからまあ僕がその外国のプロデューサーと仕事をすることの意味は、やはり外国のプロデューサーと仕事をすれば、私は日本の観客も当てにできるし、それから例えばフランスの観客も当てにできると、つまりそのよその国にも観客が当てにできるわけですね。で僕はやっぱり僕の映画の観客がね、例えばそのロッキーやランボーの観客みたいにね増えるということは僕は考えないんですね。やはり僕の映画を支持してくれる方はどの国でもどちらかといえば僕は少数だと思うんです。でもやっぱりたくさんの国に少しずつでもいればね、それは僕にとって大変力になります。Et la raison pour laquelle je fais des films maintenant avec des producteurs étrangers, c'est que par ce biais, je peux avoir accès plus directement ou toucher plus directement un public étranger. Et bien sûr, bon, du fait que je suis un réalisateur japonais, j'aurai déjà un public japonais, mais par le biais de ces producteurs étrangers, j'aurai un accès plus direct auprès du public. Des publics étrangers. Et je pense que de toute façon, mon public, même avec un film avec un très grand succès, ça ne sera jamais le public qui va voir les films comme Rocky ou tous les films à grand spectacle américains. Donc de toute façon, je pense que dans tous les pays, mes spectateurs, les spectateurs de mes films, ce sont une minorité. Et je pense qu'en additionnant les minorités, j'ai un public dans le monde entier qui est assez important. Mais je ne pourrai jamais avoir un public majoritaire dans un pays donné. J'aurai toujours un public minoritaire, mais en ajoutant ces publics minoritaires et par le biais d'une production étrangère, j'ai accès à des publics étrangers plus facilement que par des productions japonaises. C'est la raison pour laquelle je travaille avec des producteurs étrangers. Parce que j'ai entendu des mots, mais je n'ai pas entendu ce qu'il y avait entre les mots, donc je ne peux pas refaire le raisonnement, excuse-moi. Oui, parce que j'ai cru comprendre. Dans le film, il y a un dialogue entre civilisation et animalité,
et on a l'impression qu'on assiste pendant tout ce film à une progression vers de la spiritualité grâce à l'apport de l'animalité. Et est-ce que vous avez voulu montrer que le dialogue de l'un et de l'autre était essentiel parce que l'un servait à exacerber l'autre ? やっぱりこの映画の中にね、文明と動物性ですか、アニマリティとの対話のを発展していることによって、スピリチュアリティの世界が開かれるということですけれども、だんだんね、そのアニマリティ、動物性の部分が増えていることによって、スピリチュアリティに近づくということですけれども、それはその解釈、正しいでしょうか。いやその私の解釈で言わせていただくと、まあ、つまり非常にもうシンプルにしてしまえば、つまり今この我々の人間の世界は、つまり動物だとかあるいは自然とかを置き去りにして、こうなんか地球の破滅に向かってるような気がするんですね、僕は。やはりそこでもう一度僕はやはり自然を、つまり動物を含めた自然を我々の中に取り戻さなければならないというふうに考えてまして、おそらくそういうことが、まあ、映画にも出ていると思います。Si vous voulez, moi je ne pense pas. Je pense beaucoup plus simplement que cela. Je pense que actuellement, le monde en fait est composé des êtres humains et des animaux, et que du fait, comme les êtres humains ont négligé la part des animaux, je crois que nous sommes en train de faire face à une crise ou à la fin du monde pratiquement, que le monde est en train d'aller vers sa destruction, et que si nous ne réintégrons pas la part d'animalité nécessaire à l'équilibre global du monde, eh bien, il n'y a pas de solution. Donc il est absolument nécessaire de réintégrer l'animalité dans notre vie. C'est ça que je veux dire plus simplement peut-être que ce que vous avez voulu dire, mais enfin... Mais j'espère que c'est à peu près ce que vous vouliez dire. Enfin, pour moi, c'est plus simple, je m'exprime plus simplement, mais c'est ça vous va comme réponse? Je voulais demander, puisque vous avez dit que vous continuez à faire le film dans votre tête, et moi aussi par la même occasion, je voulais vous dire pourquoi j'étais un petit peu resté sur ma faim, avec la faim, parce que j'ai trouvé dommage que, alors que j'ai vu un aspect, le singe prendre sa liberté à un moment, et je me suis dit c'est formidable, c'est vraiment, il faut laisser la liberté à l'objet de son amour, et que ce soit un arbre, un singe, une cafetière ou n'importe qui. Et j'ai trouvé dommage de le voir revenir dans cet appartement sans plus de liberté. Pourquoi n'avoir pas fait une... Enfin, je suis un spectateur un peu profane, et je me pose la question, pourquoi n'avoir pas eu une fin plus claire? Peut-être, je sais pas, le voir circuler librement de sa chambre à l'appartement, voilà. ちょっとまだね、まあ、ちょっと先のね、エンディングについての続きですけれども、まあ、さっき大島さんがまだ映画はね、ちょっとその終わりについてまだはっきりとね、ちょっと他のエンディングでも良かったとか思ってるとおっしゃったんですけれどもね、自分自身もね、今のこの映画見てね、やっぱり愛の対象であるこの猿にね、もう少しね、彼が自由でいてほしいでしょ。本当にね、愛してるのならば、もう少し自由にで生活してほしいわけですね。それは対象がまあ猿であろうが、木であろうが、カフティア、キーポットであってもね、それは自由な存在があるんでしょう。だからエンディングの時にね、もう少しね、自由にね、そのやっぱり食堂から自分の部屋までね、自由に歩かせたらとか、もう少し自由に与えてもよかったのではないかと思いますけれども、どうでしょうか。いや、もう基本的にね、彼の考えに僕は大変賛成なんだけど、でも食堂から少しぐらい歩かせたんではね、自由にならないわけですね。あるいはもし彼を自由に放たってやったら、きっとどっかでやっぱりのたれ死にをするの、どっかで死んでしまう、のたれ死にをすると。で、じゃあ彼をアフリカへ返してやったらいいかと言っても、もうああやって人間に一旦飼われた猿はね、もうアフリカには帰れないわけですね。アフリカでも生活ができないわけね。つまりもう最初からもうあの猿をそういうシチュエーションにすでに我々はもう置いてしまってるわけですね。ですからやっぱり僕は他の解決はないと思うんです。そのだから僕も一生懸命考えましたけどね、他の解決。Non, je suis d'accord sur le fait que vous êtes resté sur la fin quant à cette fin. Moi-même, je pense que en effet, dans la mesure où on aime ce singe, on pourrait souhaiter qu'il ait plus de liberté. Mais on ne peut pas appeler plus de liberté le fait qu'il puisse se déplacer librement de la salle à manger à sa chambre. Ça, c'est pas de la liberté. Donc, une vraie liberté, par exemple, le laisser libre dans les bois, de toute façon, il aurait fini par être tué. Il y aurait eu un chasseur et puis il serait mort tué.
Alors bon, la vraie liberté, c'était peut-être aussi de le renvoyer en Afrique. Mais en Afrique, à partir du moment où ce singe a connu la vie avec les êtres humains, la vie qu'il a connue, est-ce qu'il aurait pu être plus heureux en Afrique? C'est aussi un doute. Donc de toute façon, à partir du moment où nous avons mis ce singe dans cette situation d'avoir vécu avec cette famille, je crois que pour lui, la meilleure façon, enfin pour, j'y ai pensé, enfin je ne suis pas encore complètement satisfait, mais je crois vraiment que j'y ai pensé beaucoup, beaucoup, et que c'est pour ça que j'ai choisi ce type de fin. Et quant à la liberté du salon et la salle à manger, je ne crois pas que ce soit une liberté déterminante. Oui, non, mais... Vers la fin des années 60, votre filmographie porte la trace d'intenses expérimentations sur le récit, avec le montage, la longueur des plans. Je voulais savoir quels étaient les éléments qui vous poussaient à agir de cette façon vis-à-vis des lois du récit cinématographique dans le cadre du cinéma japonais de l'époque. Quel est aujourd'hui votre regard sur cette époque et sur ces expérimentations, et quelle fut parmi toutes ces expérimentations celle qui vous semble aujourd'hui la plus concluante? C'était dans quel film, par exemple? Oh, il y a eu toute une série de films. Il est mort après la guerre. Jusque même à la cérémonie où il y a encore beaucoup de... 60 年代の後半で、大島さんがね、いろいろな実験でね、その撮影、まあだから編集に関してもね、いろいろな映画の作り方に関していろいろな実験をやってこられたわけですけれども、これはね、やっぱりそれはなぜそういうふうになったんでしょうか。当時の映画界でそれを、まあ当時その背景でね、やっぱりそれをやらなければならなかったか、あるいは逆にね、ちょっとやってみたかったとか、それで今の目で、今現在ね、それを見てて、どれが成功したかという実験のエクスペリメンテーション。うん、今度ね、実はポンピドーセンターで、日本のアバンギャルドという展覧会がありまして、私の何人かの友人の作品なんかもそこで発表されます。Là, à Pompidou, il va y avoir le Japon des avant-gardes et vous allez voir, il y aura un certain nombre d'œuvres de mes amis qui vont être montrées. やっぱり戦後、戦争が終わって我々が最初に考えたことはやはりその社会革命と文化革命を一緒にやりたいと思ったことなんですね。Il faut peut-être que je vous explique un petit peu l'histoire du Japon, c'est-à-dire dans la période de l'immédiate après-guerre, nous avons pensé qu'il fallait faire conjointement une révolution sociale, une révolution artistique. で、当時はやはり日本では共産党というかマルクシズムの影響力が非常に大きかった。まあ、なぜかというとその一応日本共産党だけが戦争に反対したと。À cette époque-là, l'influence du Parti communiste japonais et du marxisme, donc par le biais du Parti communiste, était très importante. La raison à cette importance était que le Parti communiste était le seul parti qui s'était opposé au militarisme japonais depuis la période de l'avant-guerre et pendant toute la période de la guerre. C'était le seul parti qui s'était opposé. Donc il jouissait d'un certain prestige dans l'immédiate après-guerre. ですからその頃の、つまりやはり若い芸術家たちの心を捉えてたのは思想としてはマルチズムであり、それからその芸術理論である社会主義リアリズムだったわけですね。Donc les jeunes artistes japonais de cette époque-là étaient au niveau de la pensée, ils étaient emprisonnés dans le système de pensée marxiste et au point de vue de l'expression artistique, c'était le social réalisme ou le socialiste réalisme, le réalisme socialiste. ところがやがてまあというのはまあ50年代の初めぐらいからね、みんなそういうことがちょっとおかしいと間違いがあるんじゃないかということに考え始めるんですね。特にその芸術理論としてのその社会主義リアリズムってのは絶対に間違ってるというふうに我々は考え始める。それでその頃からつまりそういった一種のアバンギャルドに対する思考、それから例えば映画で言えば一つはドキュメンタリズム、もう一つはシュールリアリズム。この二つを柱にして我々はそういった社会主義リアリズム、あるいは日本の、まあ、JS の、 この主流であるところのナチュラリズム、これをなんとかこう打ち壊そうとしていくわけです。Alors, au début des années 50, on a commencé à se libérer de cette espèce d'emprise historique du Parti communiste et on a commencé, enfin, au niveau des artistes, on s'est dit que c'était vraiment, on était en train de prendre une voie erronée et en tout cas, en ce qui concerne ce réalisme socialiste, c'était certainement une erreur et c'est la raison pour laquelle on a commencé à regarder du côté des avant-gardes ou essayer de penser ou envisager de faire de l'avant-garde.
Et c'est-à-dire qu'on a essayé de faire quelque chose de différent et on a vu la naissance des mouvements documentaristes où on a essayé d'axer notre création sur le documentarisme ou sur le surréalisme. C'est sur ces deux pôles que l'on a essayé de se libérer de cette emprise du réalisme socialiste. Et aussi, on essayait de lutter d'une part contre ce réalisme socialiste qui était en vogue à l'époque, et puis aussi contre l'emprise de ce que l'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire la manière de filmer, en particulier de s'exprimer, de nos maîtres de l'époque, enfin des maîtres du cinéma japonais, le naturalisme, c'est-à-dire enfin, tous les maîtres du cinéma étaient plus, c'était pas du réalisme, c'était plutôt du naturalisme. だからそういうことを考えてた人間の名前でもしかしたら皆さんが知ってらっしゃるかもしれない名前を一つだけ挙げますと例えばその安倍公房なんかはそうですねつまり彼なんかは非常にその忠実な共産党員で、その社会リアリズムを考えてたんだけどそれがやはりドキュメンタリーに興味を持ちシュリアリズムに興味を持ちでアバンギャルドになって Par exemple, je pourrais vous citer un grand nombre d'artistes qui ont changé, qui ont évolué de cette manière-là, mais par exemple, je pourrais vous donner le nom de Abe Kobo. Kobo Abe, qui était tout à fait un membre fidèle du Parti communiste japonais et qui a changé et qui s'est orienté de manière déterminée, qui a été intéressé par le biais soit du documentarisme, soit du surréalisme, à faire en fait de l'avant-garde. ですから50年代のこの終わりにはですね、そういう流れの中で、美術をやる人たちは美術批評という雑誌を出し。Alors tous ces gens qui étaient engagés dans cette espèce de renouveau de l'expression artistique, à la fin des années 50, nous avons commencé, les artistes ont commencé à publier une revue qui s'appelait La Critique Artistique, et nous, les gens de cinéma, on a publié La Critique Cinématographique, une revue qui exprimait cette revue. 決して僕だけではなくて、なんか日本我々の年代の作家たちが単に映画だけじゃなくて美術でも文学でもなんかそういうことを目指してたわけです。Et c'est ainsi que moi, quand j'ai commencé à me livrer à ce que vous appelez les expériences, enfin mon cinéma expérimental, c'était dans la continuation de cette recherche qui ne touchait pas seulement le monde du cinéma, mais qui touchait le monde des arts et le monde de la littérature également. Il y avait tous ces artistes essayaient de se libérer de ces emprises antérieures. だから私はまあもともとは商業映画の会社の助監督をやってましたから私はつまり商業映画の人間がそのアバンギャルドを、まあ、取り入れた形というわけでしたけど例えば寺山修司なんて人は要するにアバンギャルドの世界から入っていわば商業映画とも近づいただからその60年代後半っていうのはいろんな人間がつまりその商売のこともそういう芸術的な実験も合わせてやろうとした時代だったと思います Et c'est ainsi que moi, bon, j'étais en fait un réalisateur qui travaillait dans le sein d'une compagnie de cinéma commercial, enfin dans un major, et je me suis tournée, je me suis rapprochée de l'avant-garde. Mais par exemple, paradoxalement, enfin d'un autre côté, il y avait quelqu'un comme Terayama Shuji, qui lui était un cinéaste d'avant-garde, qui lui a essayé par contre de se rapprocher du cinéma commercial, plus commercial. C'est ainsi que tout le monde à cette époque-là, tous les artistes essayaient de trouver une nouvelle forme d'expression. で70年以後ですねやはり日本でもそういうふうにその一旦接近した前衛的なものと商業的なものがまたこう分かれてしまうわけですね。Et c'est ainsi que, bon, il y a eu un rapprochement donc entre l'aspect la production commerciale et la production d'avant-garde ou expérimentale. Et puis dans les années 70, ça s'est nouveau reséparé. それが今の日本の。Et c'est actuellement la situation actuellement où c'est clairement divisé l'avant-garde et le commercial.Question au milieu là-bas. Et après une autre question, ça sera fini. Une question après. Bonjour, monsieur Oshima. Bon, on sait que vous avez dans le monde un certain nombre d'adeptes, également que vous influencez, que vous avez influencé, surtout dans le passé, un certain nombre de jeunes cinéastes. Et j'aimerais vous poser la question inverse. Qui, dans votre jeunesse et dans votre formation d'artiste, a une influence primordiale chez les cinéastes? Est-ce qu'on dénombre dans ces cinéastes les cinéastes français? Je pense que Oshima est un fan de la série. Je pense que Oshima est un fan de la série. Je pense que Oshima est un fan de la série. Je pense que Oshima est un fan de la série. Je pense que Oshima est un fan de la série. Je pense que Oshima est un fan de la série. Je pense que Oshima映画監督の作品に影響を受けていらっしゃいますでしょうか。
僕はね、例えば今の若い日本の監督でもね、あのやっぱりなるべく大島なら大島の影響を受けたくないとみんな思ってると思うんですね。あの僕もやはりそうであって、僕はやはりあの撮影所に入って助監督をやってた頃には、なんとかつまりあの自分の先輩と違う映画をあの作ろうと思ってましたね。ですからそういう意味であの影響はあの受けたくないと思ってたわけです。つまり、Non, je ne crois pas que d'ailleurs ce n'est pas tout à fait juste. Je ne pense pas que des jeunes réalisateurs japonais soient influencés par moi. Je crois que plutôt ils essayent. Enfin, je pense parce que moi j'étais comme ça quand j'étais jeune réalisateur. Je ne voulais surtout pas être influencée par quiconque. Et donc moi, quand j'ai commencé à être réalisateur, donc je ne pense pas que j'influence quelqu'un, ou j'espère que non. En tout cas, je pense que je souhaite que les jeunes réalisateurs ne souhaitent pas être influencés par moi. Et quand moi j'étais jeune réalisateur ou assistant, j'avais toujours l'idée de faire des films et surtout de pas de faire des films différents de ceux de mes prédécesseurs. でもね、僕もやはりその一つの撮影所、松竹大船撮影所という日本で一番古い撮影所にいましたから、特にどの監督の影響というのではなくてね、やはりトータルにその撮影所の映画作りみたいなものはやはり自然にこの身についてると思うんですね。だから僕が監督として出発した時は、その自分に身についてるのをね、どうやって壊すかということが非常に大事だと。で、その壊すことのつまり頼りになったのがさっき言ったドキュメンタリズムとチューリアリズムだったと思います。Et moi, bon, bien sûr, j'étais jeune réalisateur, j'étais engagé par la société Shochiku dans les studios de Ofuna, qui sont les plus vieux studios du Japon. Donc, il y avait une longue tradition. Et par la force des choses, à partir du moment où j'ai fait mes premiers pas dans ces studios, j'étais forcément influencé par la manière de faire les films, la manière de Ofuna, on appelle ça. Ofuna, c'est le lieu où étaient les studios de Shochiku à l'époque. Donc, forcément, c'était devenu une part de moi-même. Et c'était ça, contre ça, que je voulais me battre. Et tout ce qui était que j'avais incurgité malgré moi, je voulais le rejeter. Et c'est à ce moment-là que ces deux piliers du documentarisme et du surréalisme sont devenus les pivots pour m'aider à sortir de ces ornières de la fabrication traditionnelle qui m'avaient été inculquées malgré moi dans le cadre de ces studios. Je ne voulais surtout pas être influencée. で、あの、例えばフランス映画ということに関して言いますとね、つまり僕ら の撮影所の監督たちはやっぱり当時一生懸命フランス映画から学ぼうとしてたんですね。だから僕は逆に僕たちはあの若い連中はフランス映画なんかから学ばないと、むしろイタリアのネオリアリズムとか、あるいはその頃出てきたあのポーランドのワイダとかカーレルリスとか、こういう方をむしろやはりあのいいと思ってました。ワイダと、あとはワイダとカーレルリッチ、カーレルリッチ、Bon. Et à cette époque-là, donc, nos maîtres dans les studios de Ofuna étaient tous influencés par le cinéma français. Ils étaient tous fascinés par ce cinéma français. Et justement, nous, par réaction, on ne voulait absolument pas être influencés, recevoir la moindre influence du cinéma français. À la rigueur, on pouvait avoir une influence du cinéma italien, du néo-réalisme italien, ou bien de cinéastes complètement étrangers comme Vaida ou Cavalier. Oui, le cinéaste polonais qui a fait Pharaon, je crois, quelque chose comme ça, c'est Kavalerovitch, voilà. Oui, mais bien sûr, nous, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de France, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps. Et donc c'était nous, enfin finalement, bon, ben, on avait un espèce de sentiment de proximité ou de sympathie pour les gens qu'on a appelés après la nouvelle vague française. Enfin, mais on n'était pas influencés. On est dans le même dynamique, en fait. Pas une influence, mais la même dynamique. Une dernière question, je crois, Serge, là-bas. Monsieur Oshima, on sait que vous faites aussi de la télévision au Japon. Et je voulais savoir si c'était une question d'équilibre presque hygiénique pour vous de passer d'une industrie du cinéma en difficulté dans votre pays à un autre système de production d'images comme la télévision. Est-ce que pour vous c'est une question d'agilité, de rythme de travail, ou est-ce qu'à la télévision vous avez l'occasion d'apprendre, enfin d'approfondir ou d'expérimenter des formes nouvelles qui peuvent servir après à la mise en scène cinématographique? ちょっと大島さんはね、映画だけではなくてテレビ映画もお作りになっているということを聞いてますけれども、それなぜでしょうか。それはやっぱり一つのバランスを取りたいからでしょうか、ということはね、そのちょっと違う映像の扱い方。いや、あの、僕はですね、僕はやはりそのテレビが、僕が監督になった時はもうすでにテレビがあったわけですね。ただテレビがない時代にあの監督になった人とやっぱりおのずから違うところがあると思います。それ、tout d'abord, je voudrais vous dire que de toute façon, à l'époque où je suis devenu réalisateur, il y avait déjà la télévision.
Donc je suis déjà, enfin, c'est un préambule qu'il faut que vous sachiez, c'est-à-dire je ne suis pas comme les autres réalisateurs qui ont connu la télévision en cours de route. Moi j'ai commencé à faire des films et à ce moment-là il y avait déjà la télévision. で僕はですからあの映画を作るときにはですねなるべくそのテレビにかかるいわゆるテレビ映画とは違うものを作ろうと思ってます。Donc depuis le début quand j'ai commencé à faire des films des longs métrages je voulais faire des films qui ne pouvaient pas être des téléfilms par définition. Je faisais quelque chose qui. ただあの僕が監督になって間もない頃には僕は映画を作るのが非常に困難でありましたからそういうつまり映画が作れない時期にテレビのあのドキュメンタリーを作ったりあるいはテレビの、 あの本を書いたりしましたしかしあの演出ということはもう本当に一つか二つの例外を除いてやったことがあります Mais cependant il y a eu une époque où je n'ai pas pu continuer à tourner des films pour le cinéma, des films de long métrage donc à ce moment là, bon j'ai fait en effet des documentaires pour la télévision j'ai également écrit des scénarios pour la télévision mais à l'exception d'un ou deux téléfilms j'ai pratiquement pas été réalisateur de films pour la télévision でもあの、n'était que pour des documentaires. でもその時期はですね、つまり日本のテレビがまだこの成立してから誕生してから非常にまだあの間もなくだったので、mm-hmm. やはりテレビの中にもテレビでもかなりだけども意欲的な仕事をすることができました。でも今はもうやはり日本のテレビがもうすごく何ですかね停滞してというか乱熟してというかね、mm-hmm. まあだらけてというかね、とにかくもうあんまり意欲的な仕事をすることはちょっと不可能だと私は思っているので。Mais c'était à l'époque où la télévision, bon, elle existait depuis quelques temps, elle était encore toute neuve, c'était une mode d'expression encore neuf. Il y avait encore un certain dynamisme, des ambitions à la télévision. Donc on pouvait encore s'exprimer et faire des choses intéressantes. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. La télévision, on peut dire stagnante, ou bien elle est mûre, ou bien proche du, presque du pourrissement, enfin elle est... C'est vraiment dans un état, c'est pas du tout un mode d'expression intéressant. Et maintenant, il n'est plus question, je parais à la télévision, mais il n'est pas question de faire une œuvre de création pour la télévision maintenant. Mais à l'époque, c'était possible. Télévision japonaise. On va tenir là, sur cette note un peu pessimiste. Oui. Merci en tout cas beaucoup, M. Oshima, d'avoir répondu aux questions et d'être resté avec moi. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Thank you. Merci. Merci. Oui. Merci beaucoup.